I'm just super happy. Sorry. Okay, so you know this is the second day of the program. Aujourd'hui c'est le second jour du programme. I want us all to prepare our spirits, et j'aimerais qu'on se prépare spirituellement, notre pensée, our soul and our body, notre âme et notre to corps, receive from God. Pour recevoir de Dieu. Let this summit change you. Que ce programme te change. Let it not be like any other summit. Qu'il ne soit pas comme les autres. Where you come and leave the same. Où tu viens et tu quittes let la même there personne. Be a vivid change mais in your life. Il y a un changement dans so ta vie. So have an expectation. Alors aie une espérance. Espère quelque chose. I also want to use this to announce to you that Sunday we are going to clamor the program. Et j'aimerais vous dire que dimanche nous allons reality of God's end time women. Et le in message this present day. Que notre papa va prêcher dimanche sera les réalités des femmes de la fin, des femmes des temps de la fin. The reality of God's end time women in this present days. Les réalités des femmes de Dieu des temps de la fin. I want to entreat all of us that as we have heard the theme of pastor's message on Sunday, let's take it into prayer and let's stay in tune. Let's be focused on the message that as we come, we will receive. God bless you all. Thank you so much. Que Dieu vous bénisse abondamment. God bless you, Sister Matilda. Que Dieu te bénisse. For this wonderful announcement and also the word that you have brought to us. Et la parole, le message que tu as partagé avec nous. We are much grateful. Nous sommes très reconnaissants. God bless you so much. Que Dieu te bénisse abondamment. So we are about to watch a short video. Nous allons suivre. Audio. Nous allons écouter un audio. From our auntie Gloria. De notre maman Gloria. All the way from Belgium. Depuis la Belgique. Amen. Amen. So prepare your heart, everything, to listen. Alors, don't let anything distract you. Et ne permet à rien de te distraire. God bless you. Que Dieu vous bénisse. As you listen. Comme tu seras en train d'écouter. Amen. Prête attention. Amen. To God be the glory, great as he has done. So love he the world that he gave us his son, who yielded his life in atonement for sins, and gave him the glory, great as he has done. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus, the world that he gave us his son, who yielded his son and gave him the glory, great as he has done. Perfect redemption, the patriots of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believe, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and gave him the glory, great things he has done. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom, 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 beloved family.
My name is Mama Gloria, all the way from Belgium. I bless God for paving this way for me. And I thank God for my pastor, Pastor Philip Macaulay, and the wife, Mama Aman Macaulay, for giving me this opportunity to give a short advice to these end time women. I bless God for all the pastors of Oasis of God Church globally. Amen. My short message is taken from the book of Proverbs, chapter 31, verse 30. And it reads, "Charm is deceptive and a beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised." Amen. The godly woman described here is a woman who fears and obeys God. She has substituted herself from the world. She trusted God over the culture and her own feelings. She is blessed because God has blessed her and she belongs to God. When we look to our world that we are in now, they value charms. But a woman with charming is not to be trusted because there is always a motive behind her charms. But external beauty of a God-fearing woman must be kept in its proper place of priority. The outward beauty will fade into old age. Her beautiful face will age and her perfect body will change. But a beautiful soul will always be a beautiful soul. Hallelujah. A God-fearing woman obeys God's word and do what he tells her to do. She honor God and honor her husband. She carries the nature of Christ. She respects the husband and she's not a naggy woman. She's flawed with love. She's a lover of God and people's lover. She treated people right. She loves her children. She's a cheerful giver. She helps the needy and the poor. She is a prayerful woman and she intercedes for others. She's always the head and not the tail. She knows who she is and she carries herself well and she reflects to others. She dresses classy, modestly, and carries the nature of God. Wherever she goes, people see the presence of God around her. She doesn't expose herself to the world. She's a good steward. She's a faithful woman and takes care of her home. And she can be trusted in everything. She knows how to handle money. And God trusts her with all that she places in her hand. She takes good care of her children, businesses, and handles her mates well. And she doesn't complain. She's a wise and strategic woman. She plans things in advance. Strategies comes with obedience of the Lord and wisdom of God. Before winter comes, her home is well organized. Her husband and children have their warm clothes. They are never cold. She doesn't lack anything. Hallelujah. She will love her neighbors, be a blessing to others, and show hospitality without employing deceptive charm to get her way. Seeing a woman like this, especially if she's your wife, she's your mother, she's a daughter, you will love to praise her every day and the God who made her. So, women, the advice for us all here is, let us have the fear of God and obey him in this end time. Let us carry the nature of God, set our minds on heavenly things. Let us grow more in worship and prayers. We should also intercede for others, helping the poor and the needy. Raise our children in a godly way, as the Bible says. We should train our children the way they should go, so that when they grow up, they will not depart from it. We should respect and humble ourselves. We should dress modestly, take care of our homes, learn to be quiet by minding our own business, keeping ourselves busy by using our hands in doing our own jobs. We need to be self-controlled as a God-fearing woman. We shouldn't interfere in others' affairs. Let us be like the Dorcases in the Bible, Naomi and Ruth, Esther and Deborah, who stood for God. Let us fear God and be praised
and the God who made us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom, shalom, shalom. So with a clap offering, donc avec applaudissement, let's invite her to give us nous a solo. Pour nous donner un one chant, solo. Juste un chant. Before the word comes. Avant Amen. Que la parole de Dieu ne vienne. Je veux rendre gloire au Seigneur pour ce moment. C'est pas donné à tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi je veux encore acclamer pour toi-même ta propre vie. That's the reason why I want you to clap for your own life. Alléluia. En tant que femme, nous sommes une bénédiction aussi pour les hommes, n'est-ce pas? Women, we are blessings. Nous sommes une bénédiction pour les hommes. Alléluia. Blessing to the men. Alléluia. How can Jesus Christ name it?
Akakaya. Akak Jesus Christ name ma. Obebu beya. Kene ruwa ine beno. Isi kendo. Kena digi atata. Akakaya. Jesus, trust the member. Oh, bebu beya, kena ruwa ine bema. Isi kedu, kena jiki atata. Haka kaya, haka Jesus, wane bema. Haka kaya. On est dans un programme de femmes. J'espère que vous pouvez m'entendre. We are talking about women. On parle des femmes. And we shouldn't be dull at all. This is our night. C'est notre soirée. We started yesterday. Ça a commencé hier. Today. Et aujourd'hui. Tomorrow. Demain. Even Sunday. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord. Amen. Pousse des cris de joie. Make a joyful noise. Pousse des cris de joie. Praise Master Jesus. Louez notre Hallelujah. 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 You are not happy. You are not happy. You are not happy. You are not happy. You are not jumping. Hallelujah. 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 Glory. You may please take your seat. Vous pouvez vous asseoir. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May God keep me and lead me. Que le Seigneur me dirige. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse. And this is a privilege for me to stand in your midst. Et c'est un privilège pour moi d'être parmi And vous. I want to bless the Almighty God for this opportunity. Et je veux bénir le Tout-Puissant pour cette opportunité. I'm not taking it for granted. Et je ne prends pas ça à la légère.
And I want to also honor the man of God in the Et house. Je veux aussi honorer l'homme de Dieu dans la maison. I say I want to honor the man of je God dis, in the je house. Veux honorer l'homme de Dieu Our dans la own maison. And only Pastor Philip Macaulay. Le pasteur Philippe Macaulay. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. We bless you for the opportunity. On te bénit pour l'opportunité. I cherish and appreciate. Et je te chéris et je t'apprécie. I cherish the opportunity. Je chéris l'opportunité. And I appreciate it. Et je l'apprécie. God bless you. Que Dieu te bénisse. And I also want to salute all the men of God in the house. Et je salue tous les hommes de Dieu dans la maison. Chikontele, Nama, all the churches of Oasis of God. Toutes les églises d'Oasis de Dieu. God bless you all. Que le and Seigneur you, vous the bénisse. Women, the men, everybody in this gathering and et this assembly. Et toutes les femmes et les hommes ici. And we are not forgetting our people on the internet. Et on n'oublie pas love non you, plus family. Le peuple de Facebook Dieu sur Internet. Family, we love you. On vous aime, la famille sur Facebook. Please, you may take your seat. S'il vous plaît, vous pouvez vous God asseoir. Bless you. Que Dieu vous bénisse. Holy Spirit, I commit myself unto you. Saint-Esprit, je remets entre tes mains. I pray that you lead me. Je prie afin que tu me diriges. May my person disparaisse, diminish. Que ma personne diminue, disparaisse. May you increase in me. Que toi tu puisses croître. May your glory be seen tonight. Et que ta gloire, qu'on puisse voir ta gloire ce soir. Not by my might, ce n'est pas par nor ma my power, puissance ni par mon pouvoir. But I'm totally depending on you. Mais je dépends totalement so de come toi. And open the heart of your people. Alors viens ouvrir les cœurs de ton peuple. Sweet Spirit of the Lord. Doux esprit. We commit the atmosphere into your hands. On remet l'atmosphère entre tes mains. We pray that you come and take charge. Et on prie afin que tu take charge of our hearts. Prends charge de nos cœurs. Take charge of our emotions. Prends charge de nos émotions. Take charge of our body. Prends charge de nos corps. Any distracting spirit. Toute chose, tout esprit qui nous distrait. That would like to rise up. Qui va vouloir s'élever. Against women. Against this gathering. Contre cette réunion. Be rebuked. Sois réprimandé by your blood. Par ton sang. We command this atmosphere et on commande cette atmosphère to be favorable unto us. D'être favorable envers in nous Jesus mighty au nom puissant de Hallelujah. Jésus. Amen. May God bless us, women. Que le Seigneur nous bénisse, as nous les can femmes. See, this program is packed. Comme vous pouvez le voir, ce programme est bien rempli. It's all about us, by et God's il grace. Ne s'agit de, que de nous par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. So please, let's open our Bible. Donc, s'il vous plaît, ouvrons nos Bibles. Yesterday, by God's grace, we learned about how to be ready. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons appris comment être prêt. It was mostly to dive into yourself. C'était pour, afin que tu puisses rentrer en toi-même. Check your condition, whether you are ready. Tu puisses vérifier ta condition pour voir si tu es prêt. Because the Holy Spirit is one. Parce que le Saint-Esprit n'est My title is how to obtain your inheritance. Mon titre c'est comment obtenir ton héritage. How to obtain your inheritance. Comment obtenir ton héritage. Now you know that you have to be ready. Maintenant tu sais que tu dois être that prêt. That you are ready. Et que tu es prêt. There's a blessing that is put on you, on your head. Il y a une bénédiction qui est mise sur ta tête, qui est so, sur toi. The how to obtain your inheritance. Alors comment obtenir ton héritage? We will learn it through honoring and humility. On va, tu vas pouvoir l'avoir à travers l'humilité. Honoring and humility. Honorer et aussi à travers l'humilité. Amen. Amen. So please, by my definition. Donc par ma définition. Of honor, to honor. De l'honneur ou comment honorer. Is to fulfill an obligation. Please, if you have your notebook, donc s'il vous plaît, si vous avez de quoi noter, écrivez. So to honor is to fulfill an obligation. Alors honorer c'est accomplir une obligation. To keep an agreement. Et de garder un accord. So to fulfill an obligation. Alors remplir un accord. And to keep une obligation, pardon, et garder un accord. It's also c'est aussi a way of living. Une façon de vivre. To honor is a way of living. Honorer, c'est une façon de vivre. Please, I want you to follow with me. Je veux que vous puissiez suivre to avec honor moi, s'il vous plaît. Is a way of living. Alors, honorer, c'est une façon de vivre. It's not an event. Ce n'est pas un événement. It's a way of living. C'est une façon de vivre. It's not an event. Ce n'est pas un événement.
You don't wait for Pastor Appreciation Day. Tu n'attends pas le jour d'appréciation des pasteurs. Honor somebody. Pour honorer quelqu'un. You don't wait for Father's Day or Mother's Day. Tu n'attends pas la fête des pères ou la fête des mères. To honor somebody. Pour honorer quelqu'un. It's the way of living. C'est une façon de vivre. The way you conduct yourself. Ta façon de te conduire. The way you behave. Ta façon de te comporter. How you view the person. Ta façon de voir that la personne. You choose to honor. Que tu choisis d'honorer. Amen. Amen. So please let's go to Genesis chapter 16. Nous allons à Genèse chapitre 16. From verse 1 down. À partir du verset 1. We will need a reader, please. On aura besoin de quelqu'un Genesis pour lire. 16, 1 to 1 down. Genèse chapitre 16 à partir du verset 1. We need a reader. Nous avons besoin de quelqu'un pour lire. Genesis chapter 16 from 1 down. Genèse chapitre 16 à partir du verset 1. Somebody's going to read. Genesis 16 verse 1 down. Genèse chapitre 16 à partir du verset 1. Now Sarai, Abraham's wife, bare him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarai said unto Abraham, to Abram, behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarah. And Sarah, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian. After Abram had dwelt, verse 3, and Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan. Amen. 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 So the story is about Sarai and Hagar. Donc l'histoire s'agit de Sarai et d'Agar. So Hagar is the maid of Sarai. Et Agar, c'est la servante de Sarai. And per what we just read, I give a quick summary. Par rapport à ce que nous venons de lire, je vais donner un sommaire. Sarah couldn't give birth. Sarah was ne pouvait barren. Pas enfanter, elle était stérile. So after 10 years living for 10 years in that country, après avoir vécu 10 années dans le pays où il vivait, she decided to propose her maid servant to her husband. Elle a décidé de proposer sa servante à son mari. So I want us to think about the 10 years they lived together. Alors j'aimerais qu'on puisse pensez à ces 10 années qu'ils ont passé ensemble à vivre. Pour une femme, en tant que femme mariée, de prendre une autre femme et de la donner à ton mari, ce qu'on appelle l'intimité, ça veut dire que tu as confiance en elle. Tu penses connaître la personne parce qu'ils ont vécu 10 années dans ce pays-là. So I'm sure the day she proposed to her husband is not the day she decided to have the thoughts. Et je suis sûre que le jour où elle a fait cette proposition à son mari, c'est pas ce jour-là qu'elle a eu ces pensées-là. She must have studied the maid. Je suis sûre qu'elle a étudié cette servante. And back in those days, when you have a maid, whatever she has or he has is for you, belongs to you. Et auparavant, si tu avais une servante ou un serviteur, tout ce que ce serviteur possède t'appartient. So how can you think that when you are she is pregnant, she will not rebel or after against you? Alors comment pourrais-tu penser que quand elle va tomber enceinte, elle va se rebeller contre toi? So for 10 good years, Hagar was able to submit. Alors pendant 10 années, Agar a pu être humble. Et rester humble. She was able to go when Sarai sent her. Elle pouvait aller là où Sarai l'envoyait. She was respecting Sarai. Elle respectait Sarai. She was like the perfect Egyptian maid. Elle était la servante égyptienne ou l'esclave parfaite. So when Sarai looked upon all the women, even of Israel, quand Sarai a regardé toutes les femmes, même d'Israël, she thought good that this one I can send her to my privacy or my elle secrecy. A pensé qu'elle pouvait envoyer celle-là dans son intimité. So please, can you go on and read the number four, the verse four? Est-ce qu'on peut continuer vers le verset 4? Please do pay attention. S'il vous plaît, prêtez attention. And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. And Sarai said unto Abram, my wrong be upon thee.
I have given my maid unto thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge between me and thee. Amen. Amen. So you see what happened here. Donc vous voyez after 10 years of living together, après avoir passé 10 années à thinking vivre ensemble, she knows the maid, en pensant qu'elle connaissait son esclave, that's sa servante. The Bible says, know nobody after the flesh. C'est pour ça que la Bible dit ne pas connaître qui que ce soit selon la chair. The fact that somebody is with you, le fait que nice quelqu'un to soit you, avec toi, qui soit gentil avec toi, always around you, toujours ready to do what you want. And ready to do what you want. Toujours prêt à faire ce que tu veux. Doesn't mean the person is truly honoring you. Cela ne veut pas dire que cette personne est en to train de t'honorer. To honor, like I said, is a decision. Et de la même, comme j'ai dit que honorer, c'est une décision. It's an obligation. C'est une obligation. It's a choice you make. C'est un choix you à faire. You decide to. Tu décides de. They don't point a gun at you. On ne met pas, on ne pointe pas une arme. To honor means you look at a person. Honorer, c'est que tu regardes une personne. You see the impact of the person in your life. Tu vois l'impact de la personne dans ta vie. And you decide that this person, et tu décides que cette personne-là, I will respect. Je veux respecter cette personne. I will honor. Je vais honorer. I will be humble. Je vais être humble. When it comes to the matter of this person. Quand il s'agit de cette personne-là. So when you cannot be humble without honoring. Et alors tu ne peux pas être humble sans honorer. You cannot say me I'm an humble person. Tu peux pas dire que je suis quelqu'un d'humble. And you don't honor. Sans honorer. Or you cannot also say that I do honor but I'm not humble. Et tu ne peux pas non plus dire que je suis en train d'honorer sans être humble. The two goes together. Les deux vont ensemble. So if you are an if you are a humble person, alors si tu es quelqu'un d'humble, you don't need to say I honor. We will know that you honor. Tu n'as pas besoin d'honorer parce qu'on le saura. The person that you are honoring, la personne que tu es en train d'honorer, indeed you are, va discerner que oui, you tu es humble. You wouldn't need to say or to tell the person or to blow your horns that me I honor. Tu n'auras pas besoin de faire crier tes trompettes que tu es en train d'honorer. So I wrote here, sometimes what you call honor. J'ai écrit ici que parfois ce que tu appelles honorer is your own definition of being cool with a person. C'est ta propre définition d'être cool avec la personne. Or, what you call honor is your own definition of being okay with somebody. Ta propre définition d'honorer, c'est ta façon d'être gentil ou d'être cool avec cette personne. I can say, oh, I honor Sister Lucy. Je peux dire que j'honore la sœur Lucie. Just because we laugh together. Juste parce qu'on rigole ensemble. And that's not truly honor. Et ça, c'est pas vraiment honorer. Ça always peut être l'honneur, mais ça peut ne pas l'être aussi. So the fact that you are cool, donc there's le no fait fight d'être cool entre vous, il n'y a pas de it querelle. Doesn't surely mean that you honor the person. Ça ne montre pas que tu es en train d'honorer la personne. I hope you understand. J'espère que vous comprenez. I hope you are following. J'espère que vous suivez. So, sometimes what you call honor, parfois, ce que tu appelles l'honneur, is your own definition of being okay, cool with the person. C'est ta propre définition d'être okay ou d'être cool avec and quelqu'un. And what happened with Agar here? Et ce qui s'est passé avec Agar ici? She didn't have anything. Elle n'avait rien. Live the 10 years she lived with her mistress. Sorry. Les 10 années qu'elle a passé à vivre avec sa maîtresse. She didn't have anything to claim. Elle n'avait rien à redonner. What do I have to lose? Je n'ai rien à perdre. So do whatever you want to do with me. I'm okay with you. Fais tout ce que tu veux faire avec moi. Je suis okay avec toi. Until jusqu'à something happened. Jusqu'à ce que quelque chose she arrive. Got a breakthrough. Elle a eu une percée. And who allow you to get that breakthrough? Et c'est qui t'a permis à avoir cette you know percée? When you honor somebody. Tu sais quand tu honores quelqu'un. You know where you are coming from. Tu sais d'où and tu you viens. Know where you are going et tu to sais où tu vas. Yes. But when you forget so soon, mais quand tu oublies si tôt, who held your hand, qui t'a tenu la main, and pushed you to his own husband, pour te pousser vers son propre mari, in the case of Sarai and Hagar, dans ce cas de Sarai et Hagar, elle a pris la main de sa servante, and pushed it to her husband, et l'a poussée vers son mari. But Hagar, so soon after conception, mais Hagar, si tôt après she avoir forgot conçu, that, elle a oublié ça. But what's the word the English use, the verse 4? C'est quoi le mot qu'il a utilisé the verse 4. Le verset 4. Go on. Okay, and he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. You see? Now the one you claim that you honor before. Alors cette personne que tu disais the one honorer, you were able to live 10 years with no quarrel. Cette personne avec qui tu as pu vivre 10 ans the sans the one you querelle, were laughing with before. La personne avec qui tu rigolais avant. When through her, God bless you. Quand à travers cette personne Dieu t'a béni. Now you look at her or him.
and you despise them. Tu regardes cette personne et maintenant tu les mépris. Because you say what I have, you don't have. Tu dis parce que ce que je possède, what tu l'as I pas. Can do, you cannot do. Ce que je peux faire, tu ne peux pas le faire. In fact, I should be the one in your place. Je devrais être à ta place. Are we ready? Est-ce qu'on est prêt? Yesterday, that's what we learned. C'est ce qu'on a appris. Are we ready? Est-ce qu'on est prêt? How to get ready? Moi, je veux être prêt. It's to honor. Comment être prêt, c'est honorer. And humble yourself. Et être humble. But she couldn't. Mais elle n'a pas pu. So what is in your life? Alors qu'est-ce qui est dans ta vie? That you are able to live with your father in the house. Que tu arrives your à vivre avec ton père dans in the house. Ta mère à la maison. Or people with whom you live. Ou les personnes avec qui with tu no vis. Quarrel. Sans les querelles. And what is that thing that just happened that we call blessing? Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette chose que tu appelles bénédiction. That gave you wings to fly. Qui t'a donné des ailes pour that que tu puisses voler. That you even forgot where you come from. Et tu as oublié d'où tu viens. You couldn't remember. Tu n'as pas pu te souvenir. What happened to you? Ce qui t'est arrivé. Then will you qualify as somebody that honor? Est-ce que tu peux? On peut te qualifier en tant que personne because qui peut honorer. To honor is a way of living. Parce que j'ai dit que it's not an event. C'est une façon de you will vivre not say because I'm happy with you today, you are doing something good to me, I honor you then. Tu vas pas dire que aujourd'hui tu as fait quelque chose qui me plaît, alors je veux t'honorer. If you are not happy with me tomorrow, I cannot honor you that tomorrow. Si je ne suis pas content avec toi that's demain, not je the peux life pas t'honorer. Of honor. Ça ce n'est pas une vie that's d'honneur. The life, that's the thing I said here. C'est ce que j'ai dit ici. What you call honor? You being cool with somebody, then you say I ce honor the person. Ce que tu appelles honorer, c'est ta façon ou ta définition d'être cool avec quelqu'un. One day, dis un jour. Say one day. Dis un jour. Don't sleep on you. This is women program. Ça c'est le programme des femmes. Alors ne dormez pas. Uh-huh, clap for the Lord. Hallelujah. Amen. We need it. We need those messages. On a besoin de ce genre de you message. Know, if we say we want. Si on dit qu'on to veut, rise up on veut s'élever without brokenness, sans être brisé, deceiving ourselves. C'est qu'on on est en train like de se Sister mentir. Lucy, she was preaching comme yesterday, la sœur, and she used the example of onion. Elle a utilisé l'exemple if de l'oignon. If you want freshness, what do you do? Si tu veux être frais, qu'est-ce que tu fais? We take something off. Tu dois enlever quelque to chose. To take off, you don't caress you. We pour break l'enlever, it. On peut pas te caresser. So when you are not ready to go forward, alors si tu n'es pas or prêt to à aller upward, de l'avant, go at the back and allow the person that want to go. Go. Et laisse la personne qui veut y aller aller. One thing about honor. L'une des choses par, concernant l'honneur. When you don't honor. Si tu n'honores pas. And somebody else wish to honor or is honoring somebody. Et quelqu'un désire honorer la personne. It irritates you. Ça, tu es irrité. You just shut up. You talk too much. Tu dis ah, tais-toi, tu parles trop. Tu dis ça dans ton cœur. You do it too much. Tu en fais trop. Can't you be quiet? Tu peux pas te when taire. When we are all together, you quand alone will stand out and do this and disgrace the remaining. Or the remnant. Et tu es là, tu nous mets la honte. Hallelujah. Nous les the restes. Things that go into the heart of women. Let me les say women. Les choses qui se passent dans le cœur des femmes. Moi, je veux dire les women. Femmes. Les femmes. Women. Les femmes. Women. Les femmes. Let's change you. Changeons. Hallelujah. Amen. So you find it easy to honor until you find something to reproach, or you see yourself better than. I will say it again. You find it easy to honor. Il est facile pour toi d'honorer. Until you find something to reproach. Jusqu'à ce que tu retrouves quelque chose. To reproach. À reprocher. Or you see yourself better than. Ou tu te vois mieux que. When Agar saw herself pregnant. Quand Agar s'est vue enceinte. See how many years? If I stay 10 years with you. Si j'ai vécu 10 ans then avec toi. Then before I came, how many more years you were with this man, you couldn't do anything. Alors combien d'années this as-tu passé avec cet homme? This simple act of a woman too, you couldn't do. Cette petite chose so que you les femmes too, shall we call you a woman? Est-ce qu'on peut t'appeler une femme? Let me take your place and go. Laisse-moi prendre ta place, va-t'en. You know, sometimes Bible cannot write all these things. You parce know, women, la Bible ne peut we pas can dire talk. Ces choses parce que nous les femmes, even on peut if we parler. Don't talk. Because by the time the person is despising you, can you imagine? Dès que cette personne commence à te mépriser. Look at Penina regardez and Anna. Penina et Anna. Bible even took his time to write small. La Bible a pris le temps d'écrire un petit every peu. Time chaque fois. She rub a baby in the face of Anna that elle you est don't toujours have, en train you de don't know how son to get. Bébé. Forgetting tu sais that God mais elle oublie that que gives c'est children. Dieu qui donne les enfants. You know when whenever you honor something à chaque, quand tu honores quelque chose. Okay, let's read the verse 8. Nous allons lire le verset 8. The same verse 8. Verse 8. Pay attention. And he said, Hagar, Sarai's maid, whence comest thou? And okay, please read 7 to 8 for people to understand. Okay. 7. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness,
by the fountain in the way of Suah. And he said, Hagar, Sarai's maid, listen, whence comest thou? How did the angel, this one, Sarai start mistreating Hagar? À ce moment-là, Sarai a commencé à maltraiter Hagar. So she decided to run away. Alors elle a décidé de s'enfuir. So you didn't know that she could use her power to mishandle alors, you. Alors tu ne savais pas qu'elle pouvait utiliser son pouvoir pour te you maltraiter. You didn't know she could use her power to mishandle you. Tu ne savais pas qu'elle pouvait utiliser son pouvoir pour te maltraiter. Your authority can use his power to mishandle you. Ton autorité peut utiliser son pouvoir pour but te maltraiter. If he or she say, I will not say anything, bless God. Mais si ton autorité décide de ne rien dire, because bénis if le you Seigneur. Read the verse 6, parce que si tu lis le verset 6, she went to her husband to complain of the woman, the slave. Elle est partie vers son mari pour se he plaindre said, de cette servante. Slave, you have all power on her. Et il do a dit, c'est ta servante, tu as ton pouvoir when sur elle. She heard ce que it, tu she veux. Said, okay. Quand elle a entendu, so elle she did a dit, what okay. She wanted. Alors elle a fait and ce qu'elle now voulait. The slave decided to run away because she couldn't bear. Alors l'esclave a décidé de s'enfuir parce qu'elle ne pouvait pas you tenir. You didn't think that you were pregnant when you were mistreating, when you were misbehaving towards your leader. Tu savais pas que tu étais enceinte quand tu as commencé à te rebeller contre ton leader. Pregnancy is your blessing. Le fait d'être enceinte, pregnancy is your promotion. Le fait d'être enceinte, c'est ta promotion. Pregnancy, you got a new house. Tu as reçu une nouvelle maison, c'est ta promotion. You got a new car. Tu as reçu une nouvelle voiture, c'est le fait d'être enceinte. And you forgot. Et tu as oublié. And you forgot. Et tu as oublié. You forgot. Tu as oublié. Because the mistress didn't have that which she had. Parce que sa maîtresse n'avait pas ce qu'elle avait. So she said, you are little. Elle a dit tu es petit. Maybe you pray more than me. Peut-être or you know how to lead people more than me. Tu sais comment diriger so, les personnes mieux que moi. What she do in this chair? Mais qu'est-ce qu'elle fait me, dans I do the broadcasting. I do the night one. Moi, I do the afternoon one. Je vais évangéliser. So what is she doing at all to even marry this chair? Alors qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter she d'être doesn't dans know cette how to dance. Nothing. Elle ne sait pas danser rien. Elle vient et elle what s'assoit. Is your problem? C'est quoi ton problème? Did you call me? Est-ce que tu m'as appelé? Did you call me? Est-ce que tu m'as appelé? You did not call me. Tu m'as pas appelé. If God is not complaining, who are you? Si Dieu ne se plaint pas, qui es-tu? There's something called brokenness. Il y a quelque chose even qu'on myself, appelle le brisement. Même moi, j'y passe. Who are you? Alors qui es-tu? And this time is not the time to frown your face. Et ce n'est pas le moment d'avoir des if grimaces. If you frown your face, you are your own witch. Si tu as une grimace sur ton visage, because c'est que brokenness tu es is une never sorcière easy. Dans ta propre vie. Parce que le brisement n'est pas I facile. I was praying, Lord, I want another dimension in je you. Je priais, je dis, Seigneur, je veux une nouvelle dimension en toi. J'ai pas dit au pasteur Philippe. One thing you have to know. Mais il y a une chose que tu dois savoir. It's not because it's my husband that I'm talking. Ce n'est pas parce que c'est mon mari que je parle. I'm not this type of wife. I don't please my husband. Oh no, I don't please Pastor Philip. Je ne plais pas au pasteur Philippe. I don't please him to please him. Je ne lui plais pas juste pour lui plaire. If I please him. Si je lui plais. Because I know he's pleasing the Lord. Je lui plais parce que je sais qu'il plaît au if Seigneur. I please him, si je lui plais, it's because I know. C'est parce que je sais. I'm not saying he's telling me. Je suis pas en train de dire qu'il me I dit. I know he's c'est parce pleasing que je sais the Lord. Qu'il plaît au Seigneur. Amen. I'll give them shepherd according to my own heart. Je vous donnerai un berger selon mon propre let cœur. Me tell voici you something. Ce qu'a dit le Seigneur. If God didn't send you to X church. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans X église or in Z church, ou dans l'église Z and he called you to Oasis of God, et il t'a appelé à être he dans knows Oasis your de behavior. Dieu, he connaît, knows your character. Il connaît ton caractère. And when God sat down, et quand le in Seigneur his s'est divine assis, wisdom, dans sa, he dans said sa for, sagesse divine, for Selena to make heaven, she has to be in Oasis of God. Pour que Selena puisse venir au ciel, elle doit I être à Oasis de God's Dieu. Divine wisdom, dans la sat sagesse down, divine de Dieu. And he put you here. Et il t'a placé he knows ici. That it's only here you can make heaven. Il sait que c'est seulement ici que tu peux aller au I'll ciel. I'll give them shepherds. Je leur donnerai des bergers. According to my own heart, selon not the heart mon of your father, cœur, pas selon not the heart of your mother, pas le, selon the le cœur heart de tes of parents, Jesus mais selon le cœur de Jésus-Christ. Who doesn't have sin? Qui n'a pas de péché? Full of purity and holiness. Rempli. He doesn't make mistake. Il ne fait pas d'erreur. So when he said, Sister Paulina. Alors quand you il a vu la sœur Paulina, you make heaven in Oasis of God. Tu vas venir au ciel who à travers Oasis I'm de Dieu. To live? Qui es-tu you pour partir? To live to hell. Tu pars pour aller en enfer. And it's not a curse, it's the word of God. Et ce n'est pas you une malédiction. To hell. Si tu quittes l'église, tu quittes pour aller en enfer. I love brokenness. J'aime le brisement. Who love brokenness? Qui est-ce qui aime le brisement?
It's not easy, but you must love it. Facile, mais to make heaven, you pour need pouvoir aller au ciel, tu en as besoin. To make heaven, you need brokenness. Pour pouvoir aller au ciel, tu as besoin du brisement. Hallelujah. Amen. So the angel referred to Hagar. Alors l'ange a parlé d'Agar. Il a dit, the slave, I'm doing a direct translation, the slave of Sarai, right? Il a dit, Agar, servante de Sarai. God bless you. So I pray for my next dimension. Alors j'ai prié pour ma dimension suivante. And when I do those things, I don't tell him. I don't tell Pastor Philip. Et quand je fais because cela, I believe the spiritual man. Je ne dis pas au Pasteur Philip parce que je crois que c'est un homme then spirituel. Then one day, alors un jour, I know that when you pray for dimension, you je is sais brokenness. Que quand tu pries pour une nouvelle dimension, and nobody c'est le brisement. Likes it. Et personne n'aime cela. Then one day, I don't know what happened. My husband just gave it to me. The way he talked to me. Eh? Et un jour, he je sais pas ce qui s'est passé. That's il m'a pas. Say. Il me l'a vraiment donné. That's why even me, I still go through brokenness. C'est pour ça que j'ai dit que même moi, je passe par le brisement. Alors qui es-tu? He gave it to me. Alors il l'a bien donné. We're on the bed. I said, should I get angry or I should just hold myself? Like, est-ce que je dois être en colère ou je dois me tenir? Que dois-je faire? Then we're on the bed and I asked him. I said, please, et my on husband, était sur le lit et j'ai dit, I want mon mari, to ask you a question. Je veux te poser une question. I know that you are a good person, you are kind to me. Je sais que tu es quelqu'un de bien, que tu es gentil. And you don't moi, talk like that. Et que tu ne parles pas comme ça. And he was saying, yes, that's right. That's il a right. Dit oui, he's oui, not even c'est helping vrai. The situation. Et il n'est même pas en train d'aider he la situation. He's every good thing I'm saying. You see, go on. I don't know where you il are going, dit, but go on. Continue. Je ne sais pas où tu vas, mais continue. And I say, the way you are talking to me or you talk to me, is ta it, façon de me parler. Is it brokenness or est-ce que c'est le brisement? By the time I would say the oh, he said yes, that is it. Yes, that oui, c'est ça, c'est ça. So it was a confirmation, but it was not easy. C'était une confirmation, mais so c'était pas facile. So I want to encourage us to prepare alors, our hearts for more brokenness. Je veux qu'on s'encourage, qu'on prépare nos cœurs pour le brisement. You should know that the more you want to aim high into the Lord, sache que plus tu as envie d'aller plus loin dans le Seigneur, you need more brokenness. Tu as besoin de plus de brisement. So even the angel referred to the maid. Alors l'ange a parlé à la servante. The name of her mistress. Et il a appelé par le nom de sa maîtresse. Return there. Il a dit retourne. How come the angel didn't say of the truth she's mistreating you, mishandling you? Pourquoi est-ce que l'ange n'a pas dit c'est vrai qu'elle te maltraite? Jesus didn't see that est-ce the way Sarai was behaving towards Hagar. Jésus n'a pas vu la façon dont Sarai ou les anges au ciel. They've seen it. Ils l'ont vu. But they know that in the kingdom of God there is rank and mais order. Ils savent que dans le royaume rank de Dieu il y a order. Des rangs et il y a de l'ordre. Sometimes when we are in our actions, parfois quand on est dans nos actions of disobedience, de désobéissance, we don't care about breaking ranks on ne pense pas, we don't care. On ne pense pas au we fait just, de déshonorer. We are just thinking of my rights. On pense seulement what à notre droit. Right. It's no longer so, about the word of God. Il ne s'agit plus de la parole feeling. De Dieu, mais what ma façon de me sentir. Right. Ce that's que je pense être apply. Vrai. C'est ce que je dois appliquer. Your name is not in the Bible. It's not a chapter of the Bible. Ton nom n'est pas un chapitre de la Bible. Myself, my name is not a chapter in the Bible. Et moi-même, mon nom n'est pas un chapitre dans la Bible. So whenever you honor something. Donc à chaque fois que tu honores quelque chose. Or when you have a high view of value of something. Si tu vois une chose avec grande valeur, you never lose sight of that which you value. Tu ne vas jamais perdre de vue la chose qui a une grande valeur à tes yeux. If you're a money lover, si tu es quelqu'un qui aime l'argent, will you lose your money like that? Est-ce que tu vas perdre ton argent comme ça? It in the bank? Où est-ce que tu vas le garder à la banque? I know a man. Je connais un homme. He has his ATM. Il a son propre. If he's going to withdraw his money, et s'il a envie d'aller and you even have a argent, meter between you and him, et s'il y a un mètre entre toi et lui, he'll be looking like this. Il regarde comme off. Ça. It's a back il off. Dit, in his mind. By the way, he's looking at you. You know that you are regarder, a stranger around. You have to back off. Tu sais que tu es un étranger, tu dois reculer. It means the person value money. Ça veut dire que cette personne a voit son if argent. You cannot even see by saying, you can, you may, you may have spiritual eyes and see. So les yeux spirituels peuvent voir. Alors, yourself, you go and weep by force. Et toi-même, tu so the person who withdraws his money in peace. Pour que cette personne retire son argent. He doesn't trust en anybody when it comes to money. That's what that is God. He values the money. Il ne fait pas confiance à qui que ce soit quand some il s'agit also, d'argent. Also, they value gold. That's the same thing. Il y a des personnes aussi qui que l'or à leurs yeux a de la valeur. Some also d'autres, value heavenly race. D'autres aussi regardent la course vers le ciel some avec valeur. Value heavenly race. D'autres aussi regardent la course so vers le ciel avec you value, valeur. So alors,
So whatever you value, donc toute chose qui a de la valeur à tes yeux, is number one in your life. C'est la première chose dans ta vie. Number one in your sight. La première chose. You do that before you do other things. Tu fais cette chose Seek avant de faire autre chose. First the kingdom of God. Il a dit chercher le royaume de Dieu. And its righteousness. Et sa justice. And all other things. You see how God did say choses. All tu other things. Comment le Seigneur a dit There's tout no way autre chose. And oh, he couldn't say marriage. Il n'a pas say, dit mariage. All other things Il a shall dit be added toute autre chose te sera donnée. Hallelujah. You can Amen. Clap, you can clap. Tu peux applaudir. And you can write this one down. I say, how high you view your leader. J'ai dit. How high you view your leader will determine how high you grow in the Lord. Ta façon de voir le niveau à laquelle tu vois ton leader, c'est à ce niveau-là que tu vas aussi grandir dans le Seigneur. Yes. How high you view your leader. Le niveau auquel tu vois ton leader. Is how high you grow in the Lord. C'est à ce niveau-là aussi que tu vas grandir dans le Seigneur. If you view him 1% in the Lord. Si tu le vois à 1% dans you le Seigneur. -1%. Tu vas grandir à -1%. No, you grow 1%. Tu vas grandir à 1%. If it's 100% in the Lord and you view him as 1%, you si will receive 1%. Il est à 100% dans le Seigneur que tu le vois à 100% dans le Seigneur, tu vas grandir aussi. So à how high you view your leader. Donc le niveau où tu vois ton leader will determine how high you grow in the Lord. Cela aussi va déterminer ta façon to de grandir. This one of his Bible says give honor to whom honor is due. La Bible dit donne l'honneur à celui à qui Let's l'honneur read Romans 13 verse 7. Give honor to whom honor is due. Romans donne l'honneur à celui à qui l'honneur est dû. Before you read Romans 13 verse 7, but open your Bible there. Romains chapitre 13 le verset 7. You know that Bible admonishes us to honor also our father in the house, your father, biological father. La Bible aussi nous dit d'honorer notre père, nos pères biologiques. And our mothers. Et nos mères. You are to honor your siblings as well. Tu es censé aussi honorer tes frères et sœurs. So God is for it that you honor people around you. Donc Dieu veut que tu puisses honorer ceux qui sont autour de toi. People that have an impact in your life, that les you personnes, honor them. Les personnes qui ont un impact sur But ta vie. But when it comes to your leaders in the Lord, mais quand il s'agit de tes leaders dans le Seigneur, double honor. Il a dit double honneur. Pastor preached, I don't know whether on Facebook or somewhere, Pasteur some time ago. Prêché, and he was telling, Facebook. Yeah, on Facebook. Facebook. And he was telling the women, you people, you come and kneel down before us. You respect us. Il a dit vous les femmes vous venez vous vous mettez à genoux devant nous vous nous But respectez. You don't respect your husband. Mais tu ne respectes pas Did ton mari. Did we pay your dowry or your bride price? Est-ce qu'on a payé ta dot? It doesn't. I still believe that yes you have to honor them. Oui je le crois que But tu dois les honorer. More than that to your spiritual leader. Mais tu dois honorer Because ton leader they are the keepers of your soul. Parce que c'est Whatever your biological father can do is to give you money to keep your body in the house. Ton père biologique peut seulement te donner de l'argent you pour go te to garder. School, you'll be the most intelligent just for nothing. Tu iras à l'école, tu seras le plus intelligent pour rien. Ces choses-là ne te profitent you en rien. You can still gain the whole world and tu lose your soul. Tu peux gagner le monde entier et perdre But ton âme. The one that is keeping your soul. Mais celui qui you garde ton âme. Important. Tu vois pas qu'il the est one autant, keeping your soul. Celui qui garde ton âme. You view your father because he has money more. Tu honores ton père parce qu'il a plus d'argent. Wise. Tu n'es pas sage. You are not wise. Tu n'es pas sage. The keeper of your soul, you should cherish him. Celui qui garde ton âme, tu I'm dois not le preaching chérir. My husband. I'm preaching je ne Pastor prêche Philip pas, by God's grace. Je ne prêche pas mon mari, mais je prêche le pasteur Philippe. I'm not standing to Dieu. Preach my husband. Je ne prêche pas Me, mon I don't mari. Know whom to quote. Oh. Moi, je ne sais pas Whatever qui. I'm doing now, tout ce que je fais who maintenant, I am in God today, celui que je suis the en way Dieu, I move, ma façon the way de I bouger, behave, ma I'm façon learning de me by comporter, him, by God's grace. C'est par lui, par la grâce de Dieu. So I cannot quote one Smith something, something. Donc, je ne peux pas parler d'un I Smith cannot quelqu'un. Even quote Peter je ne John. Peux même pas utiliser les paroles I have de Pierre. One tangible example. J'ai un exemple tangible. Pas parce que it's c'est mon mari. Because he loves God and he obeys God. C'est parce qu'il aime Dieu as et il obéit à Dieu. As high as he is in the spiritual realm, if you have eyes, si tu spiritual as eyes, les yeux he wouldn't have any problem to humble himself. Tu n'auras pas de problème à With être him, humble. I learned humbleness. Avec lui, j'ai appris l'humilité. Not the fake one, no. The pas, true one. Pas le faux, mais le vrai. Because One day he came from mission and he told me. Un jour il est rentré de mission et il m'a dit. My wife, if I'm not humble. Ma femme, si je the suis way pas God humble, is using me outside. La façon dont Dieu m'utilise. Au dehors là, je At vais pas first revenir point, à l'église. He said, I don't get it, but we are humble. Quand so il what? A dit, j'ai dit mais on est. But later on, I understood that
J'ai compris. True humbleness. La vraie l'humilité, le vrai. Where they don't need you. Là où on n'a pas besoin de toi. Because you are not walking according to your own self. Parce que tu ne fais pas ce que tu fais là-bas. You are not walking according to your own mood. Tu ne marches pas selon. You are walking according to the Holy Spirit. Tu marches selon l'Esprit de Those Dieu. That are called the sons of God, ceux qui sont appelés les fils de Dieu, they are led by the Spirit of the Lord. Ils sont dirigés par so l'Esprit when de you Dieu. Are led by the Spirit of Lord, alors si the, tu es dirigé Lord, par l'Esprit de Dieu, your mood, your atmosphere, it ton doesn't matter. Ne I don't plus. Feel like doing it. Je, you kill je it long pas time. Envie de le faire. If mama is preaching, she will talk on me, so I will not smile. Si that maman one, prêche, elle va parler sur moi, alors je vais pas sourire. Ah. When I stand here, don't look Quand at my me age. Ici, look ne at the Holy Spirit. Mon âge. If you are looking at my age, you will not receive blessings. Si tu regardes mon âge, tu vas pas recevoir de bénédiction. And I'm somebody I cannot see red and say. It Moi, je suis like quelqu'un. Je peux pas regarder. It voir doesn't le rouge look et like dit, it. It ça is ressemble red. Au rouge. When you stand here, sometimes you see faces of people. Parfois, quand tu te tiens ici, tu vois le visage so des smile. Personnes. Alors, souriez. This is medicine for your soul. You need to smile. Tu as besoin de sourire. How can we give you blessing and you are frowning your Comment heart? Comment est-ce qu'on peut te donner des bénédictions, mais alors qu'il y a des grimaces sur ton cœur? Women, they say love. We should love ourselves. Les femmes, on doit If you s'aimer. Don't have humbleness, can you love? Si tu n'as pas d'humilité, est-ce que tu peux aimer? On va te piétiner. You want to be number one also of mommy? Tu veux être le numéro un de femme de pasteur sans Me amour. Do I care if I preach or I don't preach? I don't care. Moi que je prêche ou pas, je Like Tuesday we came and prayed. Quand on est venu prier le mardi, I came late. It's not a good example. Don't follow Je suis venu en retard. Ce n'est pas un bon exemple. But when I came, I saw Sister Lucy. Mais quand je suis venu, j'ai vu la sœur. Honestly. My heart, I was Mon so coeur, happy. J'étais tellement contente. Because that's what me, if you ask me, I'm expecting for the ladies. Oh. C'est ce que the j'espère men there, I don't care. Voir the ladies, oh. Les femmes. Honestly, I was so Honnêtement, happy. J'étais tellement contente. But I saw the zeal, I was blessed. Parce que j'ai vu le zèle et and j'étais bénie. And then she said we should pray and ask for forgiveness. Et ensuite elle a dit qu'on When demande la, down, le pardon. Quand je me suis mis à genoux, I said God forgive my sin. J'ai dit Seigneur pardonne oh, mon péché. Thank you for Sister Lucy. Seigneur merci pour la sœur Lucie. I was so happy. That's how j'étais happy I was. Content, c'était so I'm happy when you are glorious in the Lord. Alors je suis contente. And I know that Pastor Philip also wished to see his son and his daughters. Et je sais glorious in the Lord. Philippe aussi veut voir ses filles Hallelujah. Et ses filles être glorieux Hallelujah. Dans le Seigneur. Amen. So please go ahead and read the Romans 13 verse 7. Nous allons lire Romains chapitre 13 le verset 7. Romans 13, 7. Render therefore to all their dues. Tribute to whom tribute is due. Custom to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom honor. Amen. Amen. So as long as you remember why you honor, Tant que write tu te it down. Souviens, il faut écrire cela. As long as you remember why you honor Tant que tu te souviens someone, la raison pour laquelle tu honores quelqu'un, you will never disrespect the person. Tu vas jamais manquer de respect à la personne. As long as you remember why you honor, Tant que you tu te souviens de la raison pour laquelle tu honores quelqu'un, you must have a reason tu to dois honor. Avoir une raison pour honorer. If you don't have a reason, you don't have a foundation. Si tu n'as pas de raison, tu so n'as pas de fondation. At any point, you can fall in disrespect. Alors, à n'importe quel moment, tu peux tomber dans le manque de respect. So as long as you remember why do I honor Paulina? Pourquoi est-ce que j'honore la sœur Paulina? Because of this. À cause de ça. Place. Qui s'est passé? Qui s'est produit? The day she's ugly with me. Le jour où elle est moche avec moi. I will not disrespect her. Je ne vais pas lui manquer de respect. I'll keep her in that high view. Je vais la garder au niveau où je la voyais. We were doing before Sister Anna got married. This women something we do. Avant que la sœur Anne ne se shower, marie. I don't know how they call it. And somebody asked a question. Quelqu'un a posé une question. I don't remember the question. Je ne me souviens pas de la question. It's the answer of Anna, I remember. C'est la réponse de la sœur Anne parce que ça m'a vraiment touchée. And the answer I'll paraphrase. Et je vais essayer de faire par paraphrase. Sister Anna said, "Pastor is always right." They were talking about pastor and your husband. On parlait du pasteur et said, du mari. Pastor is always right. Elle dit, mais le pasteur a toujours raison. And that day, Pastor Paco laughed. Et ce jour-là, le pasteur Paco a rigolé. I don't know if you remember.
Je he couldn't understand or believe what do you mean? They say your husband and on pastor. On dit ton mari et ton pasteur. Sister Andrew, remember? La sœur Andrew, don't remember. Souviens, tu ne t'en souviens you see, you pas. Don't remember. Tu vois, tu ne t'en souviens pas. She said, pastor is always right. It was big, but if you are wise. Si tu es sage, you wait and you know this wisdom speaking. Cela, tu sauras que c'est la sagesse qui parle. And pastor Paco start laughing. And pastor have to take the microphone and defend what Anna said that day. Et pasteur a pris le micro pour expliquer ce qu'elle vient de, so elle venait de dire. Alors ça m'a vraiment touché. So if your father in the Lord, donc si ton père spirituel dans le Seigneur, is always with God, or toujours, is still with God, et toujours avec Dieu, please, s'il te plaît, honor them. Il faut l'honorer. We have a reason to honor. Il y a une raison pour laquelle on l'honore. Don't only honor because you are cool today. Tu ne dois pas l'honorer seulement parce que tu es cool. It is a way of living. C'est une façon de vivre. Brother Nico, can you please be on your feet? Le frère Nico, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Brother Nico, le frère pastor, Nico, it shocked me. Il m'a choqué. And I didn't tell him. Et je ne te l'ai pas you dit. Know, you know when you talk about honor. Quand on parle d'honorer. I told you, you will not tell me you honor me. Tu ne dois pas me dire que tu m'honores. I will know you are honoring me. Je le saurai si tu es I en train de m'honorer. I will feel that you are honoring me. Je vais sentir si you tu es en train de m'honorer. You will not say, Mama, I honor you. Tu vas pas dire, Maman, je suis en train Those de t'honorer. Those words are empty words. Ces paroles-là sont vides. When Pastor went to Togo. Quand Pasteur est parti au Togo. The car was with us. Friday, Pasteur left. Le vendredi, Pasteur est parti. So me, I made my plan, oh. Moi, I j'avais the déjà car, mon plan. It's Sunday, I'll give it out. J'ai dit, c'est seulement le dimanche que je vais But donner la voiture. Nico, I said, when I come to church Friday, I'll talk to him. Je lui ai pas dit, mais j'ai dit, je vais so lui parler So that after le dimanche. Sunday, alors, oh yeah, dimanche, my taxi, I don't mind. Je vais prendre le taxi, ça ne me dérange so pas. So after church, I think Prophet Prince, he went to talk to him. Alors je pense que après l'église, Sister Prophet Prince lui a parlé. And Sister Peace also came to me, Mommy, how will you be coming to church? Et honestly, la sœur Peace est venue me voir dire, comment est-ce que I didn't put my mind to, because me, I'm used to my taxi. Je suis habitué à mon taxi. I even have friends that drive, drivers. J'ai même des amis conducteurs. So, she seems concerned. Et on but voyait then, vraiment Brother les Nico, alors le frère said, Nico, Mommy, don't worry, I'll drop il a dit, oh, ne t'inquiète pas, je vais vous déposer. Je vais venir vous chercher le me, dimanche. You stop at that. Moi, je pensais I'll qu'il allait s'arrêter. Sunday, dimanche. But then when he dropped us at home quand on Sunday, le dimanche, I went to my room to drop my Bible je suis to come and say bye. Ma Bible pour revenir lui dire by au the quoi. Window, I heard I'm coming on Wednesday to pick you. Et j'ai entendu à travers la fenêtre, il dit, I was so mercredi, shocked. I said, je vais venir vous Dormi chercher. Abra. Abra. I don't say that. Ou Dormi Abra. That long place. C'est cet endroit qui est si loin. He proposed. Il a proposé. I didn't ask him. Je lui ai pas I demandé. Didn't beg him. Je honestly, lui ai pas supplié. It took me. Vraiment, ça m'a touché. It took me. Ça m'a vraiment touché. And when the person carry you too, I'm like the boss in the car. C'est moi la chef dans. Nico, be quiet. Il est tout if calme. You know Nico is somebody that is busy. Si he doesn't savez, play with his money. C'est Nico, quelqu'un qui est money. Occupé. Il ne joue pas avec son argent. But pastor, when I tell him Sunday come lui seven. Dis, dimanche, viens à 7 he come and wait for us seven. Il vient nous attendre. You will not clap for. Is it honor? Est-ce que c'est honoré? Sometimes we ourselves we are not ready. Parfois nous-mêmes on n'est pas prêt. He come and wait for us. Et il vient et when il nous I attend. Write, Mama, I'm on my way. Oh. Mama, quand I'm coming. Ah, Mama, I'll je be arrive. There this and that. And he did it. He did it. Et il a fait, it, il a fait. I was just amazed. Et j'ai été vraiment émerveillé. This needs to be honored. Sometimes dit, Sunday. Parfois dimanche. He will drop us seven. Il va nous déposer because à we have to be on time and heures. Go back to do his business. Et meaning, il faire he didn't have time, ça but because he was his mother in the Lord, he made c'est sa mère dans time le for Seigneur, us. Il a fait du temps. Il God a bless you, Brother Nico. We appreciate it. Que Dieu te bénisse. More grace unto you. Please et have your seat. Qu'il y ait plus de grâce sur ta vie. Tu so peux t'asseoir. That's what he did. Et voici ce qu'il a fait. And it was of great help. Et il a été vraiment d'une grande aide. And I saw that we were comfortable in the car. There's no day that on était Mommy, hurry, I have to go. Il n'y avait jamais un jour even où il a dit day, ah, maman dépêche-toi. That last Sunday before Pastor Paco goes to Togo. Le dernier dimanche avant que le pasteur Paco part au Togo. I kept long in the church. Je suis resté très longtemps à l'église. And Pastor Paco said, today there Nico eh, Nico eh. Et le pasteur Paco a dit aujourd'hui but when I went frère there, Nico, he adjusted his seat and dès he was que je suis arrivé là-bas, il dormait. God il a réajusté son siège. Que Dieu te bénisse. You try, papa, papa. Tu as vraiment essayé. So please, can we read Proverbs 12, verse 4. Proverbes chapitre 12, le verset 4. You
know, when you honor somebody, et quand tu honores quelqu'un, it doesn't return void. Ça ne retourne pas vers toi vide. And I know Brother Nico honors me. Et je sais que le frère Nico m'honore. Because of Pastor Philip. À cause de Pasteur Philippe. And I know that he honors Pastor Philip. Et je sais qu'il honore Pasteur Philippe. Because of God. À cause de so Dieu. So when you have a relationship with God, donc si tu as une relation avec Dieu, he will not teach you how to honor. On ne va pas t'enseigner à honorer. You flow naturally. Ça va couler naturellement. You flow naturally. Ça va couler naturellement. Some people, what they love, some people, qu'ils aiment, they know how to honor it. Ils savent honorer ce but qu'ils where aiment. They don't like what and they pretend to like. Mais là où ils ne aiment pas, mais ils font semblant d'aimer, ils trouvent ça difficile d'honorer. Proverbs 12, verse 4. Proverbe chapitre 12, le verset 4. Proverbe chapitre 12, le verset 4. A virtuous woman is a crown to her husband. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. But she that maketh ashamed is the rottenness in his bones. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Verse 5. It's okay. God bless you. So the crown to the husband. Donc la couronne au mari. Do you know that if you are a crown to your husband? Est-ce que tu sais que si tu es la couronne de ton mari? Everybody will love you. Tout le monde va t'aimer. If you are able to be a crown to your husband, si tu arrives à être une couronne pour ton it mari, means that you honor God. Ça veut dire que tu honores Dieu. So you cannot honor God and dishonor His servant. Donc tu peux pas honorer Dieu et you ne pas honorer ton God serviteur. And dishonor your fellow sister. Tu ne peux pas honorer Dieu et ne pas et how ne pas honorer ton thing you do because of God and you are tired of doing it? Comment est-ce que tu peux être fatigué de faire les choses que tu fais à cause du Seigneur? Because God is not tired of the breath of life He's giving you. Parce que Dieu n'est pas fatigué du fait qu'il te donne le souffle de vie but chaque as long jour. As you are doing it for your brother or for your sister, you get tired. Tant que tu le fais pour ton frère ou ta sœur que tu es fatigué de le faire, you get tired. Tu seras fatigué so, si tu le fais pour eux. When you talk about the inheritance of God, donc quand on parle de l'héritage we de have Dieu, the promises of God. Nous avons les promesses de Dieu. And anytime you talk about the promises or the blessing of God, et à chaque fois qu'on parle des promesses et des bénédictions de Dieu, curses is not far. Les malédictions aussi ne sont pas loin. Yes, when you talk about blessing, receive, receive. Bénédiction, reçois. The curses are near to you. Les malédictions aussi sont près. Maudit soit celui qui fait mon œuvre avec négligence. Cursed be the one that does the work of the Lord anyhow. So you are coming to the house of the Lord. Donc tu viens dans la maison de Dieu. To praise Him, to worship Him. Pour l'adorer. And to do His will. Louer et aussi faire sa volonté. And you find yourself doing your own will. Et tu te retrouves à faire ta propre volonté. Smile in His house, you will not smile. Souris, tu souris pas. Stand on your feet and praise God, you will not do it. Lève-toi, loue le Seigneur, tu ne veux pas when le faire. When you finish and you go to the et house, quand tu as fini et tu rentres à la maison, you collect a lot of curses on your tu head. Tu ramasses beaucoup de malédictions it's sur ta better tête. Better you would have stayed home. Il vaudrait mieux pour toi than to collect the free floating curses. Au lieu de venir so et ramasser des malédictions. To 1 Timothy. Nous allons à 1 Timothée. No, let's go to the same Genesis. 3:13. Genèse chapitre 3 le verset 13 to 15 jusqu'au verset 15. When we talk about blessing or promises, you have to have in mind that curses is around somewhere. Quand on parle des promesses et des bénédictions. So Genesis 3:13-15. Genèse chapitre 3 le verset 13 jusqu'au verset 15. Genesis 3:13-15. And the Lord God said unto the woman, what is it that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Pause. Who is God cursing there? À ce moment-là, qui est-ce que tu es en train de maudire? Who is God cursing? Go on. Now you are following. And above every beast of the field, upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Please, that's 15. Yes. Okay. If you continue, you see that discussing the woman, which si he has started continue, already. Tu verras qu'il est en train de maudire la femme. No, it's okay, because of time.
So the women also were cursed. Donc les femmes aussi ont été maudites. Unless you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, sauf si tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Sauveur personnel, tu es sous une malédiction. And when you talk about accepting Him, quand on parle de l'accepter, is to live by His ways. C'est de vivre dans ses chemins. And to the women, when we talk about accepting Christ in you, quand on parle d'accepter le Seigneur Jésus, is to become a mirror in which somebody will look at himself and become a better person. C'est de devenir un miroir à travers lequel quelqu'un peut regarder pour devenir meilleur. You are called to become a mother. Tu es appelé à être une mère. So let's go into 1 Timothy 2, 15. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 15. First Timothy 2, verse 15. 1 Timothy 2, 15. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness, and holiness with sobriety. Amen. Amen. So, she shall be saved if she does what? Sera sauvée si. Talk to me. Parlez. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing. Elle sera sauvée, right? Dans. So is it that you get married and you give birth and you are saved? Est-ce que c'est is that the way it goes? Ça veut dire que tu te maries, tu vas enfanter, right now, et tu seras I'm married sauvée. By God's grace. I have maintenant, three je suis children. Mariée, so me, I'm on the leaf of the saved. J'ai trois enfants, donc c'est. So que I am saved. Is that what the Bible means? Je suis sauvée. Est-ce que c'est so ce que la Bible dit? Give birth là. Donc pour enfanter, is to be a mother in the Lord. C'est être have une mère spiritual dans le Seigneur, children. Avoir des enfants spirituels. Or be a good leader. Ou être un bon leader. As a mother, en tant que mère, you give advice. Tu donnes des conseils. Your life is no longer for you alone. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même. The way you walk shall be different because people are watching ta you. Ta façon de marcher sera différente. Don't parce say I'm a young lady. Ne dis pas je suis une so femme. So I wear whatever I want to wear. Alors je vais porter ce que je veux. No, your body no longer belongs to you. Ton corps ne t'appartient plus. So you don't determine how you should dress, how donc, the dress should fit you. Je ne peux pas déterminer comment you look at the measurement of Christ in 1 Timothy 2, 9 to 10. Tu regardes les mesures de Christ and you dress accordingly. Et tu t'habilles. In our generation now, dans notre génération, we that we're supposed to be mothers, we dress like young ladies. Ceux d'entre nous qui sommes censés être we mères, still on s'habille want to comme be attractive to the world. On veut toujours être the love of the world. Au monde. Now our dresses have style. Please read 1 Timothy 2, 9 to 10. 1 Timothée, just the 9. 1 Timothée 2, le verset 9. Open your ears, women. Brokenness. We are peeling First the onion. 1 Timothy 2:9. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel. That women adorn themselves with modest apparel. Je veux aussi que les so femmes he's talking about modest. Donc il parle de la modestie. You la should simplicité. Be simple. Tu dois être simple. The way you dress. Ta façon de look simple doit être simple. We don't mère. Need the style. I know fashion. Fashion is mode, for the je devil. La mode. La mode, c'est pour le diable. If you are an host of mommy, you are a lady, a sister. Tu es une femme de pasteur, or a female une soeur, in the church. Ou une soeur dans l'église. Your mind is still on fashion. You are worldly. Et tes pensées sont toujours you are not yet the child of God. En train de suivre la mode, tu if n'es pas up to now we have to correct you on your dressing, si or you have to say that we have to say you are a bit extravagant. On doit te corriger parce qu'on you te don't trouve look un peu at the mirror of the word of God. To c'est que dress. Tu ne regardes pas dans you le miroir think de la parole that de my Dieu. Sisters know how to sew well. Tu penses que so she will sew for me and I'll come and kill in the church. Elle va coudre pour moi et je vais venir. Oh, if you see my style, I'll come with. See the mind by which you are talking. Le style avec lequel je vais venir. We are talking about women, but men nowadays. They are no longer hommes, holy, they are worldly. Les hommes ne you sont see plus their trousers tight and hanging. Vous voyez even que pastors. Pantalons, même les pasteurs, after now we talk, they put it to jokes. On parle, on parle. And they come and preach to us. I don't care. Ils viennent, and they come and preach to us. Change. Changer. Change first so that we follow. Changer d'abord et ensuite on va vous suivre. And the leader must live by example. Et le leader doit vivre how can avec you sit down, we see your leg, you say you are a man of God. Tu t'assois, on in voit which tes church? Jambes. Holiness tu dis que tu es you don't fear God. Dieu. Or because you have muscles, you have to show us. Parce que tu as des muscles, donc tu dois nous les montrer. Show it to your wife.
Montre-le à ta femme, on n'en a pas besoin. And we also have our own husband. Nous aussi, on a nos propres maris. They have their 24 parts. Ils ont leurs 24. Hallelujah. So I don't envy your husband. You don't envy mine. We are cool. But let's take the measurement of God. Mais on doit prendre les mesures de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you blessed tonight? Est-ce que tu es béni ce soir? May God bless us. Que le Seigneur nous bénisse. So please go on the verse 9 to 10. With shamefacedness. Yes. And sobriety. So shamefacedness. Not with braided hair. Please. So with shamefacedness, donc you need a little pudeur, bit shyness in the way you dress. Tu as besoin you are too de out pudeur. There. Like dans Sister Peace, de I have the best la, shape in the church. La sœur Peace, elle a la meilleure forme dans l'église. There's one et sister dit, in this church. Il y a une sœur ici dans l'église. Tell me, hey, mommy. Qui m'a dit, hey, maman. I saw Sister Peace shape naked. J'ai vu la forme de I la sœur Peace. I was a woman, but mommy. Je suis nue, mais maman. I say, hey, is that what goes on into your head? Et c'est ça qui se passe dans ta tête. Then the men, alors I don't les, know. Les hommes vont faire quoi? Hallelujah. So Sister Peace, God bless you. Donc, la God bless you with Dieu shape. Dieu t'a béni avec for your husband to be. Mais pour ton mari, now, ton futur mari. Maintenant, tu couvres when cela when pour la gloire about de Dieu. The glory of the woman, quand on parle de la gloire de la femme, it can be your body, the way it's shaped. Ça peut être ton corps, ton it can be your hair, the way it's beautiful and shiny. Ça peut être tes cheveux. It can be your calf. Some people, Anna, she has nice calves. Comme la sœur Anne, elle a de jolies mollets. She used to be to have trouble covering them. Avant, elle avait, c'était difficile. Quand j'ai regardé ses mollets, j'ai dit oui, Dieu t'a béni avec ça. So I knew she was proud of it. She said yes. Je sais qu'elle est fière de ça. Elle dit oui. So yes, God bless us with features. Donc Dieu nous a béni avec toutes ces formes. To be a blessing to our own husband. Mais c'est une bénédiction pour nos propres maris. And to the glory of God. Et aussi à la gloire de Dieu. It's not for anybody else's eyes. Ce n'est pas pour les yeux de qui que ce soit, que ton mari. So the shamefacedness, you should be shining the way we dress. Donc avec pudeur. The shyness, cover everything. Couvre tout. You shouldn't be dressing and I can see the line of your pants. Tu ne peux pas être habillé et je vois les traces de ta culotte. You cannot be wearing something and your bra is designed tu ne peux the pas strap. Porter quelque chose et je vois les traces de so ton are soutien-gorge. You advertising your bra or what are you advertising? Est-ce que tu es en train de faire de la pub pour let's pour, return to the old landmark. Retournons vers les anciennes marques. Ah. Amen. Please complete the verse. I will not stop again. Not with braided hair or gold or pearls or costly array. Yes. So let's all obey to this word. Donc qu'on puisse tous let's obéir. Let's not braid our hair. Qu'on ne se tresse pas. God is wisdom. Dieu, he make the hair grow. Il a de la sagesse et c'est lui our qui fait grandir women, nos cheveux. Our hair. We women, we love our hair. Nous les femmes, on aime we nos worship cheveux. Worship our hair. Et on adore so nos God cheveux. God wants us to take the attention from our hair and alors put Dieu it onto Him. Hallelujah. Qu'on enlève notre attention de nos cheveux et de les mettre will sur you be on lui. Your feet and clap to the est-ce que tu peux te God? Lever et acclame pour if la you gloire were blessed de with the message, si give a shout avec le message. Praise to tout Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Were you blessed today? Est-ce que tu as été béni aujourd'hui? Please, Pastor, if you don't mind, I would like to pray for some women. Pasteur Philippe, j'aimerais que tu pries pour certaines femmes. Lord, prepare me. Seigneur, prépare-moi. To be sanctuary. À être un sanctuaire. Pure and whole. Pure tried et saint. And true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Open your heart to the Lord. Lord, prepare me. Lord, prepare me. Open your heart to the Lord. Open your heart to the Lord. Open your heart to the Lord. For the Holy Spirit is in our midst. Parce que le Saint-Esprit est parmi this nous. Is the women program. Ça, c'est and whenever women stand, the Holy Spirit is there. Là où se tiennent les femmes, le Saint-Esprit Lord, prepare me. Wanna be a living sanctuary.
are singing. Que tu crois en cette Open chanson, your heart que and declare those words. Lord, prepare me. Dis au Seigneur, prépare-moi. To the sanctuary, pure and holy, can you please come forward? Sister Anne, can you please come La forward? La sœur Anne, est-ce que tu peux venir devant? Lord, prepare me. Seigneur, prépare-moi. So this is the word I received for Sister Anne. Donc voici la parole que j'ai reçue pour la sœur Anne. I want you to open your ears and listen. Je veux que tu ouvres tes oreilles et que tu écoutes. This is the word I received for Sister Anne. Voici ce que j'ai reçu pour la sœur Anne. That if you concentrate, que si tu te concentres, God will download wisdom into you. Dieu va télécharger if sa focus, sagesse et le mettre en toi. You will speak. Tu vas wisely. Parler avec sagesse. God will put His wisdom into you. Dieu va mettre sa sagesse en you toi. You declare things, and God, what people will say, what did she say? Tu vas déclarer les choses et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? God wants to do that with you. Dieu veut faire cela avec toi. I usually call Sister Anne beautiful one. I usually call you beautiful one. Je t'appelle la plus belle. But it's not enough. You cannot just be beautiful outside. Tu peux pas seulement être you belle need dehors. To be beautiful. Inside. Il faut que tu sois belle à l'intérieur. And when this time has come, et ce temps est arrivé. I believe God is doing something with you. Et je sais que le Seigneur fait quelque God chose avec toi. Is putting wisdom in you. Donc Dieu est en train de He mettre la sagesse en toi. Et il a besoin de toi you que need tu to te focus. Focalises, que tu sois focalisé. During last week, I was praying, je priais la semaine and then dernière. She came in mind. Et j'ai pensé à elle. And I decided to pray for her. Alors j'ai décidé de prier pour elle. While I was praying for you, pendant que je priais pour that's toi, what I received. C'est ce que j'ai that reçu. God wants to put wisdom. Que Dieu veut mettre la sagesse en toi. So that's one of the things. I wrote it down so that I don't forget. Je l'ai écrit pour ne pas oublier. We have to pray against any bewitching power and atmosphere around you. On doit prier contre tout esprit de sorcellerie ou d'envoûtement qui est autour de toi. Bewitching power and atmosphere around you. Tout esprit de sorcellerie qui envoûte. Because God wants to endow you with wisdom. Parce que Dieu veut mettre la sagesse en toi. Distraction will come. Les distractions distraction vont venir. Has come. Et où la distraction est arrivée. You from what God wants to do. Pour te dévier de ce que le Seigneur veut faire avec so toi. You are going there. Alors tu vas là-bas. You are missing it. Et tu es en train de perdre. Wisdom, la sagesse, toute atmosphère d'envoûtement. Remember, souviens-toi, où est-ce que tu as reçu cela, pasteur? That even jamais... the pastor can laugh at it and say no, it's not Même correct. Le pasteur a rigolé wisdom a dit non. Deposition in you. C'est la sagesse qui a été so déposée when you en pray toi. Your house, this atmosphere. Donc prie dans ta maison cette atmosphère. By the presence of the Holy Spirit. Par la présence du Saint-Esprit. Any atmosphere of bewitchment toute, around toute Sister atmosphère Anne. De sorcellerie qui envoûte. Point it now in Jesus name. Jesus. Anything that give way to those atmosphere, we close the doors by the blood of Jesus. We cut every link of those atmosphere with you. Every door that is open that give way to the enemy in your life, in your mind, we cut it off. We cut it off. We cut it off. And we declare restoration from your foundation. From your foundation. Restoration in your foundation. Whatever the Holy Spirit has designed to do with you, He shall do it in Jesus' name. And no gate of hell shall prevail. No gate of hell shall prevail against you anymore. There's a restoration in you. Starting now. I encapsulate you with the power of the Holy Spirit. I declare that they shall touch you no more. They shall play with your mind no more. But you shall hear from the Lord and deliver it as you hear it. And deliver it as you hear it. You are blessed. You will not fulfill the agenda of the enemy. You will not fulfill the agenda of the enemy. Any bewitching atmosphere. Watch
you. Appoint you by the blood of Jesus to appoint. Whatever you are taking your strength from, we tarry that river. We tarry that source. Jesus' mighty name. I seal you with the blood of Jesus. I seal you with the blood of Jesus. You are untouchable. You go home, you pray, and you develop a new relationship with your Maker. He has also called you and chose you. God bless you. Go and do exploits. More grace. Women are revived. We are getting revived. There was a dream. I had a dream, but I forgot my dream. J'ai reçu un songe, mais j'ai oublié. Before I said that, a sister had a dream. Une sœur a reçu un songe. And the dream, et dans le songe, we gave a topic or a request of women to come forward to be prayed for. On a demandé aux femmes afin qu'elles viennent so pour prier pour came eux. Forth, donc certaines sont venues devant pour. And the whole multitude that stayed behind, et la multitude qui est restée derrière, starting sharing the grace. Ils ont commencé à partager la grâce. Meaning they were annoyed. Ça veut dire qu'ils étaient. So whatever embêtés. You want to do in your heart now, God is aware. Donc tout ce que tu veux faire, so dans if ton you cœur, are wise, tu es don't. Donc si tu es sage, ne if fais you are pas. Wise, don't. Si tu es sage, ne le if fais you pas. Are a wise virgin, don't. Donc si tu and es she was able sage, to see viens. A sister, I will not call the name. Et elle a pu voir une sœur. Shaking and smiling. En train de faire partager la grâce et elle souriait. So please open your heart to the alors, Holy Spirit. Alors s'il vous plaît, ouvrez votre so cœur au Saint-Esprit. Donc, I had a dream and I forgot. J'ai eu un songe et j'ai but oublié. Then Pastor Philippe called me from Togo in mais the fasting. Le pasteur Philippe m'a appelé depuis le Togo dans le jeûne. And he said somebody had a dream of you. I think et Pastor Jacob. Que Pasteur Jacob a reçu un songe. And in the dream, concernant et dans le songe, he said the women were having a program. Dit que les femmes avaient un programme. And there was an empty chair. Et il y avait une chaise vide. It was like for God. It was for God. C'était pour Dieu. And I called Auntie Vivian. Et j'ai appelé la come sœur and lie Vivian. Down before God. Viens te mettre. So Auntie Vivian, come. I don't know where she is. Le Seigneur. Je I sais said, pas come où elle and est. Lie down before God. Et je lui ai dit de se come and lie down before Dieu. God. Je lui ai dit de se prosterner devant and Dieu. After that, I came. Et après, and je suis I was praying for her. Et je priais pour and elle. She was healed. Et elle a été guérie. The pastor had a dream that same day. J'ai dit j'ai reçu un songe. In the dream, et dans le songe, I was holding somebody with her demeanor. Je tenais slim quelqu'un hers, qui est mince comme elle. And I hold the person by my hands, et j'ai tenu la personne par les mains. I was praying for the person. Et je priais pour la personne. And I, as I opened my eyes, et quand j'ai ouvert mes yeux, I said, look, 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 your flesh dit, is coming back. Your regarde, flesh is coming back. Your flesh is coming back. Ta chair revient. Ta chair revient. Ta chair revient. And I said, go to pastor. We'll pray for you. Et je lui ai dit, va. So the person were not having prier. Faith. La, and I said, la personne n'avait pas. As I was praying, your, the flesh was coming. She was growing fat now. Elle, à ce moment, elle, and elle she was not seeing it. So I believe your time pas. Has come. Je sais que ton temps and God warned you. This program is for you. Ce programme est pour toi. So we can only rejoice. On peut seulement se réjouir. When there's love, quand il y a there's l'amour, power. Il y a le pouvoir. When we read out the apostles, the power they were demonstrating. Le pouvoir des apôtres. There was the love. Il y avait l'amour. So if you're in one accord, donc si on est en then un you are même healed. Accord, if you're in one accord, you si are healed. On est en un as même the accord, two dreams came guéri. To confirm, we declare your healing. We declare your flesh going back. Your flesh coming back. Your flesh coming back. Your flesh coming back. Your flesh coming back. This is your time to receive your healing and your deliverance. Anything that was hindering you, you have your freedom in well. We stop them now. They have failed. For long they wanted to heal you. There were some dreams some people were having. They couldn't tell her. Il y avait des songes que d'autres recevaient, mais the enemy pas has planned to kill you, but God kept you. De te tuer, mais Dieu so we bless God for your healing. Alors on bénit le Holy Spirit, pour I bless your name for your the healing of your daughter. Thank you for Ricardo for breaking the rope, the healing into your heart. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la restauration. Thank you Lord for merci, the restoration. Papa, thank you, je prie que tout ce qui est dans son corps qui n'est pas de toi soit broyé maintenant. Je bois tout ce qui n'est pas de toi. Et la restauration et la guérison parfaite. La guérison parfaite. Tu tombes maintenant. Là, tu ne viens pas de Dieu. Pour te dire.
Jesus. Declare all the soldiers. We put the blood of Jesus on you. The blood of Jesus on you. Now it's the blood of you, Jesus. Walking in you, running in you. It's no longer your blood, but the blood of Jesus. The blood of Jesus. Take control of your hoping. Your hoping. Your hoping. You are a new creature. You are not born to die for the devil. You were born to give glory to God. And I pray for that boldness to come out now. To come out now. The warrior of God you are. The warrior of God you are. Boldness has been impacted on you. And you are raising you from your past. It's scattered. You are restored. In your destiny, you are restored. In Jesus' mighty name, you are blessed. God bless you. You are healed, sister. Let's bless God for her life. Appreciate God for her healing. Sister, believe that you are healed. God himself is interested in that healing. And he has done it already. And you are healed. And your flesh is coming back. Et ta chair revient. By fire and by force. By fire and by force. Par la force et par le feu. We bless God for tonight. On bénit le Seigneur. We have a Tabitha in the house. Nous avons Sister Betty, come. Dans la maison, la sœur Tabitha, Betty. Tabitha in the house. Dans la maison. This is the Tabitha. Voici une Tabitha. If for once you have received a blessing for this, from this lady, si tu as reçu une bénédiction de la part de cette sœur, even the dress I'm wearing tonight, même ce que je porte, a Tabitha is in the house. Il y a une Tabitha. And this Tabitha shall not die. This Tabitha shall not die. Et celle-là ne mourra pas. You will not die in your work. Tu ne vas pas mourir. You will not die in the presence of God. You grow. Tu vas grandir. You grow in the Lord. Tu vas grandir dans le Seigneur. In the time of Daniel, au temps de Daniel, he was among pagans. Il était parmi among les people païens, that don't believe in God. Parmi des personnes qui but he was righteous. Dieu. Mais il était saint. He was having high rank. Il était vraiment élevé but he dans was son rang. Righteous. Mais il était saint. So as God is lifting you up, et puisque le Seigneur t'élève, you with corona, this thing, avec tous ces problèmes de corona, you know, the only thing that could treat Daniel with is against his own God. La seule menace qu'ils avaient contre God. Qui pouvait donner à Daniel, c'était quoi? C'était if God doesn't give us the heart to take the vaccine, why are we? Si Dieu ne nous donne pas le cœur pour prendre le vaccin, pourquoi est-ce qu'on va le prendre? You will not work to please man. Tu vas pas travailler pour that plaire à l'homme. Was by divine intervention you got. C'est par intervention so divine que tu as reçu ton travail. Et so, donc, those extra work you are doing to keep it, stop it though. When divine intervention gives you something, you quand put l'intervention your divine to it, te donne quelque you chose, allow tu the move of the Holy dedans. Spirit to flow. Tu laisses you didn't give Dieu. Yourself this job. Tu so you cannot be busy enough for this job and forget God. Donc tu ne peux pas être occupé dans ce travail et oublier you know, Dieu. I wanted her to be MC. Je voulais qu'elle, of course, qu'elle fasse anything partie I want, de la modération. To pastor. But we're thinking, will she pensait, be available? Will she have sera, time? Elle sera then I put là. Betty and... Benedicta. J'ai mis la sœur. Finally, I said, oh, Benedicta is available. J'ai dit non, I love you. That's the truth. Benedicta is available. J'ai dit non, la sœur availability supersede. Yes, you are not in the spirit. Availability supersede. And when I told her, she said, I'm happy, but I'm sad. Quand je lui ai dit, elle m'a dit, je suis contente, mais je suis. You cannot follow two masters. Tu peux pas suivre deux maîtres. It's good. In that work. C'est bien de don't travailler là-bas, God. Mais n'oublie pas Dieu. Don't be too busy that ne sois pas tellement occupé que tu oublies Dieu. The God that gave you. Le Dieu qui t'a donné. When they threw Daniel into the lion den. Quand Daniel a été jeté no, dans la no fosse lion au lion, chop him. Les lions n'ont pas pu le manger. When they are coming with their theories, alors quand ils viennent avec leurs menaces, n'aie pas peur. Are you still working? Est-ce que tu travailles toujours? Why are you afraid? Why alors are you pourquoi worried? Est-ce que tu as pourquoi est-ce que tu es inquiète? You know when Moses vous savez quand Moïse was before the Red Sea, était devant la mer Rouge. All night through he you can please be seated. Vous pouvez all vous night through he was holding the rod. Il avait le bâton élevé à travers he la he was nuit. The one if trouble or not trouble. But the people they were just shouting oh, oh le peuple oh. Eux ils criaient seulement. Sometimes when parfois, you are worried for nothing because your inquiet, father in the Lord already is in charge by grace. Ton père dans le Seigneur
It's like Moses holding the rod all night long. Even if his leg will be big, he doesn't mind. Even if his leg will swell, he will not mind because the doctor must retain the work. Parce que not for the glory of man, non pas pour la gloire de l'homme, mais pour Dieu. There are certain things that is in your destiny. Il y a certaines choses and when the devil wants to take it, we say no. Le diable veut le prendre, on dit non, il ne peut pas le prendre. But if you start loving it more than si God, tu commences à aimer ton travail you plus make somebody que Dieu, jealous. Tu vas rendre quelqu'un jaloux. Make somebody jealous. Tu vas rendre quelqu'un jaloux. This Tabitha shall not die. Donc cette Tabitha ne va pas you mourir. Will not die in your... Tu vas pas you mourir. Not die in your work. Tu vas pas mourir à and ton lieu de travail et tu vas pas mourir spirituellement. In this church, you even pay rent dans for cette people. Église, elle paye même le loyer de certaines personnes. Sometimes Pastor Philip and I we say how does she do it? On dit mais elle fait comment? When Tabitha died, people say no, Debida, Debida. Quand elle est morte, les personnes ont dit non, tu dois revenir the à la vie. The widow came to Peter. Cette veuve est venue à Pierre. Elle dit, regardez, see my dress. Donc regarde ma robe. Tu ne peux pas mourir. So I stand upon this holy altar. Donc je me tiens and sur I cette declare that this Tabitha shall not die. Que cette Tabitha because ne va Holy pas mourir. Spirit. Parce que Saint-Esprit. I am even wearing her with gift je tonight. Suis même en train de porter so un I pray anytime donc anybody fois, of Seigneur, this church will be holding somebody something. Of this Tabitha should remain alive. She remain alive. She remain alive. Every dead thing in your belly, receive life now. Receive life now. I declare life into your life. Life into your life. Zoe into your life. Restoration. Prayer. You need to pray. I pray for restoration of prayer in your life. New beginning. The work will not swallow you. In fact, those Egyptians, you will see them no more. You will see them no more. If you want to come in front of a child of God and play with the destiny of God, you shall be playing with. So I declare peace in your work, peace in your Christian life. Please, peace as an unsuffer, mommy. You will live to declare the word of God, the kingdom of God. You will not just be a Tabitha, but you will declare. May God strengthen you and restore your strength in you. May God restore his strength in you. We are in the end time. And we need the grace, the grace. We need the grace. Holy Spirit, I pray that you encapsulate your daughter now. Any gift that she has lost, have mercy and restore them now. Restore them now. The gift of prayer. The gift of prayer. I declare it back to her in Jesus' name. I declare it back to her in Jesus' name. I pray for restoration in your hearts. In your life, in your mind, and that restoration to connect to your husband and your family, even to your mother in Jesus' name. God bless you. You are blessed. Tabitha, God bless you. More grace to you. This one will not die. Celle-là ne va pas she mourir. Has done us so much good. Elle, she will elle not nous die. A fait tellement de bien. So much good. I'm almost done. I'm not praying for everybody. Je ne prie pas we pour have tout a le monde. Man of God in the house. Nous avons our notre homme de house. Dieu, notre pasteur I know dans that la maison. You have more blessing when je sais qu'il aura beaucoup plus de bénédictions pour nous. Let me check if I have one last. Oh yes, I do. His pastor was Sister Loisy. This Sister lady, Loisy. I want to honor her. Je veux honorer cette sœur. I don't know if she's on. You know, there are a lot of people that showed us honor. But tonight, I choose Sister Loisy. Mais moi, ce soir, je choisis I la know Loisy. Mama Gloria is there. She, je too, sais she que has done her own, but I was Maman led Gloria, to Sister Loisy. Dirigée vers la sœur Loisy. This sister is blessed with something special. Cette sœur est bénie avec quelque chose de spécial. When I gave birth to Claudia quand and Keziah, accouché de Claudia et de Keziah, she purposed in her heart elle l'a décidé dans son cœur. Elle envoyait de l'argent chaque mois pour elle. Pour elle. So me, she didn't tell me. Elle me l'a pas dit. I'll be receiving money. Je recevais. C'est pour Claudia yogurt and Kezia. Le yaourt de Claudia. How thoughtful. So I thought it was something that you donc do once or twice elle, and you stop. Elle a fait juste une ou deux fois et qu'elle allait arrêter. So when she stopped, I didn't even notice. Donc quand elle a arrêté, j'ai même pas remarqué. And one day she came into my inbox, et my jour, WhatsApp. Elle est venue, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. She said, "Mommy, I made a vow to God. J'ai fait un vœu au Seigneur.
that I will take care of this and that concerning the children. Que and je I've vais m'occuper de ça et de ça pour and les enfants et since then, I've not been myself. Et depuis ce temps-là, je ne suis plus moi-même. Je sais que j'ai péché contre Dieu. So, mommy, I want to start it again. Donc, maman, je veux recommencer. I was feeling someone say, how much do you get? J'ai dit, ah, mais combien tu reçois? Combien est-ce que c'est comment ton salaire? That if you do it once more, I appreciate même it. Si tu le fais juste mommy, une fois, you see, when you honor, it's not about honor, what they say to discourage you. Ce n'est pas ce qu'on dit pour te décourager. Honestly, I was discouraging her. Not that it's not a good thing, but I was thinking of her. Je pensais à elle, pas que she je la décourageais. No. Elle m'a dit, maman, non, je dois le faire. And she kept on doing it. Et elle a continué à and le faire. Months ago, et il y a quelques mois, she decided to add to it again. Elle a décidé d'ajouter. And I know what is going on in her life je now. Sais ce qui se passe dans sa vie. And I said, the way you make the money is like you add Joseph dit, to it too. C'est comme si tu as rajouté she Joseph. Said, oh, mommy, I didn't even know that I add to the money over. To God je be the glory. Que j'avais rajouté, then mais, so be. Que la gloire revienne à Dieu. J'ai dit, mais combien c'est combien since that day, pastor, she has been sending the same et depuis, elle, even elle this envoie. Week, I believe she sent again. Elle envoie. So when I was praying for her, donc quand je priais pour elle, you know, sometimes it's not the laying off of the hand. Parce que parfois c'est pas seulement l'imposition bed, des mains. In our bed, on peut être and sur thinking nos lits, of what you do that touch us. Et on, en train de honoring. Penser aux choses que vous faites pour nous. And when we say, hey God, remember on her. Dit, ah, Seigneur, souviens-toi d'elle. C'est une prière. Oh God, oh Seigneur, she has touched my heart. Elle a touché mon cœur. Do something in her life. Fais quelque chose dans sa vie. So sister, Loisy. Donc la sœur Loisy. If you can hear me wherever you are. Tu peux m'entendre là God où tu es. You. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. Pastor and I, we appreciate you. Moi et pasteur, on t'apprécie. And we call you our daughter. Et on t'appelle notre it's not everybody fille. We call our daughter, but Loisy dear, we mais call her our daughter. On t'appelle. I have a relationship fille. With Pastor Noel. J'ai une relation avec le and pasteur I have a Noël. Relationship with Loisy. Et j'ai une relation Loisy avec always pasteur Loisy. Find a way to talk to a mother. Elle trouve toujours un moyen de and parler by, à sa mère. By the time I say I call her my daughter, expect correction. Je lui dis, like si I'm je just smiling, smiling vie, with her. Il faut espérer la correction she aussi. Does something that will be hard on her. Si elle fait quelque chose, turn, je suis dû. Elle tourne et ensuite, elle revient et and elle she demande said, pardon. I know I was not about that. I was dit, not ready. Je sais que I like her truthfulness. J'aime sa façon de dire and la vérité. Like asking questions and I love that elle aime poser des questions. So this year, donc cette année, the person that sow in sorrow, cette personne qui a semé, in joy. Is that what semé dans les pleurs va récolter dans la joie. But this lady can empty her money. I will not say account, but her money that elle she peut, has. Elle peut donner tout for ce qu'elle mission. A. Pour les missions, for people, pour les gens, and she'll forget about herself. Et elle s'oublie elle-même. And I know that she needs the money now more je than ever. Je sais qu'elle a besoin de cet argent maintenant, you know, bien plus people, qu'avant. Il y a des personnes. When some event is about to happen in their life, quand il y a des événements stingy. Dans leur vie, ils commencent à retenir l'argent. They become stingy. Ils commencent à retenir l'argent. It's not Loisy. Mais c'est pas la sœur Loisy. I was tempted to tell her stop. J'ai été tenté de lui dire de ne pas envoyer et de commencer à économiser. But I also believe in God for her. Et je crois aussi au Seigneur pour elle. So anything holding her marriage this year. Donc tout ce qui tient ton mariage cette année. We tear Tiasu. On le piétine. We break it in Jesus' name. On le brise au nom de Jésus. That thing will receive fire. Cette chose reçoit le feu. Spirit. Si c'est the un dream esprit. Said the women were gathered. A spirit came and it was consumed. We will consume that spirit. On consume cet esprit. And we declare that that family should get married. Et on déclare que cette this famille, year, elle va se marier Jesus cette name. Année au nom Sister de Jésus. Loisy, God bless you. La sœur Loisy, que Dieu te bénisse. We appreciate you. We Pastor cherish et moi, you. On t'apprécie, on te and chérit. We value you as well. Et tu as beaucoup de valeur à nos yeux. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. May joy. Que la joie. Be our portion. Soit notre part. And love, true et love. L'amour, le true vrai. Love. L'amour, be le our vrai. Portion in Jesus. Soit notre part au nom God de Jésus. Bless you. Amen. Que Dieu vous bénisse. Do it better. Hallelujah. Hallelujah. What a word. Some people frown their face. Quel message. Des gens ont eu le visage froissé déjà. Ah. We are talking about God's end time women. Nous parlons des femmes de Dieu de la fin des temps.
I didn't give them any topic. Moi, je ne leur donnais aucun thème. I give them the freedom to select their own topic. Je leur donnais la liberté de choisir leur propre thème. Out of the main topic. En sortant tiré du thème général. So Sister Lucy started with how we should prepare. La sœur Lucie a commencé avec comment il faut se préparer. It was ginger and onion-like message. Le message était réellement épicé, assaisonné. Amen. Amen. Yesterday in the house, I was hearing prayer. Michelle couldn't go and sleep. So maybe when you hear it, you pray it. Et hier dans la maison, j'ai entendu les prières. La sœur Michelle n'a pas pu dormir. Il y a des messages quand tu entends là, tu rentres en prière avec. Now, today, how to prepare came to you. Aujourd'hui encore, comment te préparer est venu vers toi. Most of the time, what we are looking for is not far away, it's just here. La plupart des temps, ce que nous cherchons ne se trouve pas loin, mais c'est juste tout près ici. Amen. Amen. I remember when I was married to Mama, I told the church that my wife who cause you to humble. I can't remember the word. Ben, je me souviens quand je me mariais, j'ai dit à l'église, ma femme va vous amener à vous humilier, quelque chose du genre. À être humble. C'est la même chose. Amen. And people were in the church there. I don't know whether you remember. Et ceux qui, dans le temps, étaient dans l'église, je me demande bien si vous en souvenez. I said some of you are older than her. Je dis, certains d'entre vous sont plus âgés qu'elle. Knowing you, vous connaissant, you'll be looking at flesh, not to look at God in the person. Vous allez plutôt regarder à la chair au lieu de regarder à Dieu dans la personne. Amen. Amen. Well, bien. If there's something robbing the women, especially in the oasis of God, not the women alone, is how to honor. S'il y a quelque chose qui vole, spécialement les femmes, mais pas elles seules, c'est comment honorer. Le manque d'honneur est la chose qui vole à l'oasis de Dieu. Now, it's not that people don't honor, but people think that if they honor, then you must not correct them. And we don't subscribe to that. Et you are corrected because you honor. Et ce n'est pas parce que les gens n'honorent pas. Mais pour ceux qui honorent, ils se disent que puisque j'honore, on ne doit pas me corriger. Et pourtant, nous, on n'a pas souscrit à cela. C'est parce que tu honores même que tu vas être mieux corrigé. Yes. Oui. Then, Mama said something. He said, if you don't know why you honor, you cannot honor. Et maman a dit quelque chose. Elle dit, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu honores, tu ne pourras pas honorer. Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu honores, tu ne pourras pas honorer. He said, honoring is not just an event. Et dit, honorer n'est pas juste un fait. It's a way of living. C'est une façon de vivre. It's a decision one makes, a personal decision. C'est une décision personnelle que quelqu'un prend. And when you make that decision, et quand tu prends cette décision, you stay by it. Tu te tiens dans cette décision. Alléluia. Alléluia. Now, somebody says something. Says success without honor is unseasoned dish. Il dit quelqu'un a dit le succès sans l'honneur est un déchet sans fin. No, une nourriture, dish, right? Un plat. Il faut expliquer, frère. D'accord. Quelqu'un a écrit, il a dit le succès sans honorer est un plat qui n'est pas assaisonné. Yeah. Now, where you are now, ask yourself, apart from God. Et là où vous tenez maintenant, demande-toi à toi-même, à part Dieu. Who is in your life that you honor? Qui est dans ta vie que tu honores? That no matter what, when the person say you say yes, yes, madame. Et yes, auntie. À tel point que même quand la personne touche, tu es déjà au garde à vous. One day, Paul wrote to Timothy. Un jour, Paul a écrit à Timothée. He told them that they should learn his way, he Paul. Et il a dit d'apprendre de lui, Paul.
He didn't say of Jesus Christ. Il n'a pas dit de Jésus, mais de l'imiter lui, Paul. There's no way God will intervene in your life without a man. Il n'y a pas moyen que Dieu intervienne dans ta vie sans un homme, un être humain. God will always use a man. He does that to humble us. Dieu va toujours utiliser un homme, c'est-à-dire quelqu'un, et il le fait ainsi pour nous rendre humbles. Alléluia. Alléluia. Now, maintenant, I want our women to be on fire. I want to see you preaching, doing anything that the Holy Spirit gives you right for. We want to help you to do so. Je veux voir nos femmes être en feu, prêchant, priant. En tout cas, tout ce que le Saint-Esprit vous aura donné de faire, nous voulons vous voir en train de le faire. But you cannot do it in dishonoring and disobedient and disrespecting. Et tu, vous ne pouvez pas le faire ainsi quand vous déshonorez, quand vous désobéissez et quand vous manquez de respect. Now, a wise person take advantage of situation to honor godly people. Et un homme sage ou une personne sage profite des situations pour honorer des gens qui sont de Dieu, donc des personnes pieuses. Just have to be. You have to discern. Just some small extra drive you into a great opportunity in God, because God is not doing new thing. God's grace, God's power, God's anointing is with men. Voir, il te faut discerner pour capturer le moment opportun de recevoir des bénédictions. Vous devez comprendre ceci, que Dieu n'est pas toujours en train de faire de nouvelles choses, mais l'onction de Dieu et la grâce de Dieu sont toujours là et disponibles. And it's with men. Et ça se trouve avec les gens. Donc l'onction et la grâce de Dieu habitent où se trouve avec l'homme. In this church right now, actuellement dans cette assemblée, cette église, if I want to play keyboard, si je veux jouer au piano and play it well, et le jouer mieux, the people who play keyboard in the church, we know them. Ceux qui jouent piano à l'église ici, on les connaît. I will not go to Prince. Je vais pas aller vers Prince. I will not go to Mr. Anthony. Je n'irai pas vers Monsieur Anthony. I will not go to le riche. Je n'irai pas vers le riche. There's one person here. Il y a une personne ici. Who have the grace and do it better. Qui a la grâce et qui le fait mieux. Who is that person? Qui est cette personne? Hein? You see the way you give the example. Voyez comment vous avez donné l'exemple. Now. Maintenant, Mr. Anthony can teach me, Prince can teach me, le riche can teach me. Monsieur Anthony peut m'enseigner, Prince peut m'enseigner, le riche peut m'enseigner. But if I want a certain height, mais si je veux un certain niveau, I will honor somebody who is where I want to go. Je vais honorer la personne qui se trouve à la position où je vais aller. Now, maintenant, most of the time, la plupart des temps, the people you want to honor, they don't come in the shape and in the height that you can relate with easily. Et que les gens que tu veux honorer ne viennent pas dans la forme, dans la taille que toi tu espères pour pouvoir le faire. And two, et deux, the reason why it's difficult for you to come to their standard or for them to bend to your level is that they know what they have. Et c'est que ce qui rend la chose difficile pour toi de te mettre dans leur standard ou eux de se rabaisser à ton niveau est que ils savent ce qu'ils ont. Ils connaissent la valeur. I remember one day, je me souviens un jour, we do some fasting here. Nous avons fait un jeûne ici. And Kingsley went to bring something, he want to record Prophet Prince. Et qui s'est allé chercher certain matériel, voulait enregistrer Prophète Prince. I think he even walk home some things. Je pense qu'il a même marché à la maison, quelque chose du genre. He that is helping Prince, lui qui aide Prince, was around, était là. But we closed, Prince went home. Quand on a fermé, on a terminé, Prince lui est parti à la maison. I was here and he made a statement.
Et j'étais ici et il a dit quelque chose. This brother, il dit, ah, ce frère-là. You make me go through all that arrange this. Tu m'as fait passer par toutes ces choses, préparer ceci. Pourquoi? À cause de toi. Up to now. Jusqu'à maintenant. That song was undone. Ce chant-là est incomplet, n'a pas encore été fini d'être arrangé. Prince didn't insult Kingsley. Prince n'a pas insulté Kingsley. But he have dishonored his humility towards him. Il a déshonoré l'humilité de Kingsley à son endroit. And most of the time, when this month wish goes over, the person is still cool with you, but you have dishonored something in the person's grace. You can never rest in that sense till you repent and you come to the person. I'm sorry. Et avec le temps, pendant que le temps passe, la personne se comporte, tout va, tout semble aller bien avec toi, mais il y a la grâce là, tu l'as manqué. Et tu ne peux que la retrouver que lorsque tu te seras repenti et honoré la personne. For all we know, pour tout ce que nous savons, that song would have been YouTube would have breaking through in a certain way now. Ce chant devait se trouver sur YouTube et lui donner une certaine percée jusqu'à maintenant. But he have not respected a king in that domain, a grace and anointing in that domain. To say, okay, this person is not even taking money. May we be careful when we find ourselves in the church, in the house, because we are biological. There are among our mother's children, some are called in the certain kind of grace. Alors, among church members, some are in the stature of the David. Some have a certain kind of grace. You cannot take them for granted. If you do so, you have missed that grace. You can get other things, but manos, that one. Donc, on peut se trouver dans la même famille, mais parmi les enfants de nos parents ou les personnes avec qui on se trouve, il y a ceux-là que Dieu a choisi qui portent une certaine grâce. Il ne faut pas les prendre pour ça ne fait rien. Si tel est le cas, tu vas te rendre compte que tu auras raté quelque chose de fondamental de ta vie. Alors fais attention à toi. Wisdom demands that you take opportunity. La sagesse demande qu'il faut prendre des opportunités. To register yourself on that paper of honoring people. It's not only a pastor. It can be a brother, it can be a sister, it can be a wife, but they are in order. Donc la sagesse demande qu'il faut profiter des opportunités afin de t'inscrire sur cette feuille de l'honneur. L'honneur, ça peut être un pasteur, ça peut être un frère, une sœur. Alléluia. Alléluia. Now there are some souls I'm winning in Togo right now. Il y a des âmes que je gagne en ce moment. Je suis en train de gagner en ce moment au Togo. Because I reciprocate honor that somebody showed to me. And I make the decision. I say, this lady, this honor that she showed to me, and the way she respects what I do, anything she's doing, even when I'm sitting on the toilet, I wake up and go. Et j'ai pris une décision et j'ai dit, cette soeur, à cause de la façon dont elle me respecte, qu'elle m'a honoré, quoi qu'elle aura à faire, j'irai. Où que je me trouve, je vais me lever, je vais y aller. And je gagne des âmes à cause de honorer cette soeur. And I am winning souls because who is this lady? Of the honor of this sister. Ayawavi. Et qui est donc cette sœur? C'est la sœur Ayawavi. We were in Togo. Nous étions au Togo. And I saw that she had a program. Et j'ai vu qu'elle avait un programme. And she didn't invite me. Et elle ne m'a pas invité. Because the way she honored me. De la façon dont elle m'honore. She think that program is for, you know. Voilà, vu le niveau où elle m'a mis là, elle se dit non, ce and programme c'est no. Pas à mon rang. Mais j'ai dit non. Sister, I saw you are doing a program. J'ai dit sœur, je vois que tu as un programme. When I do program, you travel and come. Quand je fais programme, toi tu voyages et tu viens. I can't be in Lomé. Je ne peux pas être à Lomé. And you are doing a program, no, et tu fais un programme, moi je viens pas. I say, I invite myself. J'ai dit je m'invite moi-même. So going there. Alors en là-bas. She also said that. I shouldn't come on time because it doesn't want people should be late and I've come there. You see, honor. Et donc,
Elle dit, when you honor somebody, you go through the sweat and the struggle for the person while the person is at ease. Voici ce qu'elle m'a dit. Non, faut pas te presser pour vite venir parce que je veux pas que tu sois là et que les gens soient en retard. Voyez cette expression de l'honneur. Quand tu honores, tu passes par les transpirations et les agonies de la personne. I told her that no, that's not in my growth or my discipline. I will come anyway. Je lui ai dit que non, ça fait pas partie de ma croissance ou de ma discipline, mais je viendrai. And I said, I'm not coming because I want to preach. J'ai dit je ne viens pas parce que je veux prêcher. If I don't even preach, my presence there is to honor you. Même si je ne prêche pas, ma présence là-bas est de t'honorer. She said you cannot come here and I will not give you a word. Elle dit tu ne peux pas être ici venir et je ne vais pas te donner la parole. You see, voyez-vous, she honor, elle honore, and I return it to her. Et je lui retourne l'honneur. Now, maintenant, that program that I went, ce programme auquel je suis parti, that's where I win Sister Christine. C'est là-bas que j'ai gagné la sœur Christine. You can clap, you can clap. Now, maintenant, when we went again, quand nous sommes encore rebâtis, they were doing a program again. Ils avaient encore un programme. As I said, comme je l'ai dit, anything she's doing, I'm part of it. Tout ce qu'elle fait, j'en fais partie. I carry everybody and say we are going. And I supposed to preach for a pastor that Saturday. I told Claude and Boris, they should tell that pastor that Saturday, I of you will not do program, and I'm coming to preach for him. I would rather go to Ayawavi's program and I off that man's own. J'ai ramassé tout le monde, j'ai dit allons. Et j'ai dit à Evangeliste Claude et puis je ne sais pas à qui d'autre. Allez dire au pasteur, je devais prêcher. J'ai dit là-bas, dites-lui que Ayawavi ne peut pas faire programme. Je vais laisser pour aller prêcher quelque part. Everyone. Et nous y sommes allés. I know how many souls we fetch. From that program. Je sais combien d'âmes nous avons puisé de ce programme. Anytime you honor, à chaque fois que tu honores, whether God, que ce soit Dieu, whether a person, que ce soit une personne, there is a blessing. Il y a une bénédiction. There's a benefit. Il y a un bénéfice. There's a divine opening. Il y a une ouverture divine that ushers you onto your realities. Qui te conduit dans tes réalités and to your realms. Et dans ton règne. Hein? If my ou dans mon univers. Doesn't respect me, si ma femme ne me respecte pas, doesn't honor me, qu'elle ne m'aime pas, I will not sit down, she will be preaching. Je vais pas m'asseoir et puis elle va prêcher. Okay. Où ça? How? The reason why your scarf is still on your hair, the scarf have leave himself or herself to take the shape you want to give it. Think about it. La raison pour laquelle ton foulard demeure sur ta tête, c'est parce que le foulard a accepté de que tu lui accepté la forme que tu as décidé de lui donner. Commence à penser à cela. The woman is a crown to the husband. La femme est la couronne de son mari. But you cannot be on my head if you don't take the shape of my head. Tu ne peux pas être sur ma tête si toi tu peux pas prendre la forme de ma tête. If you are crown. Si tu es une couronne donc. For me to wear. Pour que je te porte. That my head is big. Que ma tête soit grosse. You must enlarge yourself so that tu dois tu dois t'élargir pour que tu puisses mieux rentrer. There are things honor give to you than what prayer and fasting give to you. Il y a des choses que l'honneur te donne plus que la prière et le jeûne. There are times after you pray you fast. Par moment après avoir prié et jeûné, without honor, sans honneur, the door of the king is still closed, even though you are Esther. Les portes du roi sont toujours fermées, bien que tu sois Esther. Esther have done 21 days. Esther a fait 21 jours. He wear the right dress. Elle a porté l'habit qui convient. Living right opposite the doorway of the king. Vivant même droit à l'opposé de la porte du roi. The fasting didn't throw her in. Le jeûne ne l'a pas jeté. Dedans. She have to respect the principle. Honor is to respect the standard, the principle, the one you are honoring have set. Elle lui fallait
honorer et respecter les principes qui ont été établis. Alors honorer à avoir avec respecter et obéir aux principes de celui que tu sais. Some people have realized that we have done you evil. Certaines personnes, je me suis rendu compte que nous vous avons fait du mal. Because we have not allowed you to express honor towards us. We were thinking we want to be humble and we have spoiled you. On a voulu être humble et on vous a gâté, comme on le dit, de sorte que on ne vous a pas conduit dans ce qui est honoré. Pasteur. And I say yo. Et je dis yo. Pasteur, yo. Pasteur. One love. Yeah. Même amour là. But it didn't help you. Mais cette façon de faire ne vous a pas aidé. You know, one of the reasons why the Roman Catholics will always respect their priests is because there's a pious way, and the altar of a typical Catholic church is barricaded with a lot of. If you have been a Catholic before, there are smoke coming out, and this man alone speaking a language you don't understand, and there's no interpreter. They want to give you a common communion. You create something big, drink something from a cup. There's something solemn. There's a keyboard playing somewhere, chanting somewhere. Dominos, koto, amine, mino, no, anemre, meme, mo. The only thing you hear, amion. When you say amion, he was drinking the thing. When you say amion, he alone swallowing a large round communion. When you finish, he clean the thing. There's something pious. There's smoke all over the altar. When he's moving, there are a lot of people following him. You cannot meet a Roman Catholic father and say, Father. Say, you greet them like this. Voyez la raison pour laquelle les prêtres catholiques seront toujours respectés, c'est à cause du mystère qui est mis autour d'eux. Et tu ne verras jamais un prêtre catholique aller dire, mon père. Non, c'est toujours mon père. Whether it's a young boy, qu'il soit un jeune homme, whether it's an old man, ou qu'il soit une personne âgée. What happened to us who are going to heaven? Qu'est-ce qui nous arrive à nous qui allons au ciel? When we break our ranks, quand on brise notre statut, our uniqueness and identity in our gifts can never be in harmony. Notre unicité dans nos dons can never be in harmony. Ne peut pas être en harmonie. Hear me, people. Écoutez-moi, peuple de Dieu. There is something I need. I can only get it from a man. Il y a quelque chose dont j'ai besoin. Je ne peux que l'obtenir d'un homme. And I told you that in life, it's not everybody who is ready for you. Et je vous ai dit que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour vous. People who love you. Les gens qui vous aiment, people who care for you, les gens qui se soucient people de vous, who give to you, les gens qui vous font des dons, don't play with them. Ne jouez pas avec eux. Faut pas jouer en français là. Faut pas jouer avec eux. Ne les prends pas pour ça fait rien. You mark them and you put them into category. Tu honor. Tu les marques et tu les mets dans une catégorie pour l'honneur. You see, there are things people do. Voyez, il y a des choses que les gens font. They do it because they don't have a choice. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. But true honor, mais le véritable honneur, is not that you don't have a choice. Ce n'est pas quand tu es embarrassé. There are choices. Il y a des choix. But you humble yourself to this. Mais tu t'humilies à cela. I've realized that for some time now. Je me suis rendu compte que pour un certain moment, when I come from mission, quand je viens de mission, Maman Gloria. She wants to call me. Elle veut m'appeler. Now, at times she says, "Pastor, I want to call you." Par moi, me dit pasteur, je veux t'appeler. And I'm wondering that, or maybe she's going through something. Et je me demande peut-être qu'elle passe par des difficultés. Finally, when we get ourselves on phone. Finalement, quand on se tient au téléphone. Say, "Pastor, you are welcome." Elle dit, pasteur, sois le bienvenu. It's not nice for me to send you a message. Ce n'est pas correct pour moi de t'envoyer un message. I want to call you. Moi, je veux t'appeler. Ask myself. Je me suis demandé mais. So last time I came, she called again. I said, "Hey,
You are spoiling me. Que la dernière fois quand je suis venu qu'elle a appelé, j'ai dit tu es en train de me gâter. He said no. Elle dit non. It's not right. C'est pas normal. Said, my daddy has come from mission. Mon père est venu de mission. She's far older than me. Elle est beaucoup plus âgée que moi. She's in her 50s. Elle est dans la cinquantaine. We have not met in physical life. On ne s'est jamais rencontré physiquement. When she talked to me, she called me daddy. Quand elle me parle, elle m'appelle papa. Hear me, people. Écoutez-moi, peuple. Honoring nobody should force you, and nobody should force you. Honorer, personne ne doit te forcer à le faire. It's a decision you make. C'est une décision que tu prends. It help you to be you. Cela t'aide à être toi-même. Because anytime you don't honor, parce qu'à chaque fois que tu n'honores pas, you can't be you. Tu ne peux pas être toi. The only thing that keeps Jonathan's name ringing even when Saul has missed it is because he have decided to honor what God is doing. Ce qui a fait que le nom de Jonathan a continué à sonner, c'est parce qu'il a décidé, bien que Saül ait tombé du standard, lui il a décidé de maintenir l'honneur. He's supposed to be the next king. Il était supposé être le roi. But he discerned that God have changed the order to David. Mais il s'est rendu compte que Dieu a changé l'ordre et il a donné à David. He told David. Et il a dit à David, you be the king. C'est toi qui seras le roi. After you, après toi, I will be. Je serai roi. And it was not hypocritical. Et c'était pas de façon hypocrite. He was sponsoring everything to David so that David become a better king. Il sponsorisait et il donnait tout à David afin que David soit un meilleur roi. Sharing even his sword. Même son épée là, il a partagé avec David. Delivering David from the hand of his own biological father. Délivrant David des mains de son propre père biologique. And we have seen how that has been a blessing in the life of Mephibosheth. On a vu comment cela a été une bénédiction dans la vie de Mephibosheth. What do you want that somebody have already? Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un a déjà? Hear me. Écoutez. The Bible says you should be careful what you say about the king. La Bible dit de faire attention à ce que vous dites derrière le roi ou concernant le roi. The Bible says a bird. La Bible dit un oiseau will carry it to him. Va prendre la nouvelle, la parole pour aller la porter au roi. Sometimes some of the things I hear. Par moment, il y a des choses quand je les entends. I ask myself, je me demande. Somebody who have mouth. Quelqu'un qui a une bouche. Can that thing come out of it? Est-ce que ça peut sortir de la bouche de la personne? And you ask yourself, even the devil was afraid to say that. Et tu te demandes, tu te dis, mais ça même le diable a même peur de prononcer ça de sa bouche. But church is just like mechanic shop. Mais l'église est comme un garage de mécanique. You come so that we all hear that because the Holy Spirit work on us. On vient parce que pour que on puisse tous entendre et que le Saint-Esprit travaille sur nous. Allow the Holy Spirit to have his way. S'il vous plaît, permettons au Saint-Esprit d'agir. If the kingdom of God will experience a new revival, it will not start by men. To start with women, I'm telling you the truth. Si le royaume de Dieu va expérimenter un nouveau réveil, ce ne va pas se faire avec les hommes, mais c'est avec les femmes, je vous le dis. It has happened in the Bible, and that's how it had to be. Ça, cela s'est passé dans la Bible, et c'est comme ça que ça sera. There was a prophecy on the deliverer, that's Jesus. Il y avait une prophétie concernant le libérateur qui est Jésus. All the men ran from Jerusalem to Moab. Tous les hommes ont fui de Jérusalem pour aller à Moab. It took a woman. Il a fallu une femme called Ruth, appelée Ruth, who was not born in that atmosphere. Qui n'est même pas née dans cette atmosphère. Believing in the God of the Jews. Et croyant au Dieu des Juifs. To be able to marry Boaz. Pour être capable de marier Boaz ou Boaz. And through that connection, they must have a child called Obed. Et par cette connexion, ce mariage, ils ont eu un fils appelé Obed. From Obed to Jesse. De Obed, on arrivait à Isaïe. From Jesse to David. De Isaïe, appelé aussi Jesse, from à David. David
to Jesus. De David à Jésus. Women, you are powerful. Les femmes, vous êtes puissantes. Can you honor yourself in truth? Est-ce que tu peux t'honorer toi-même, mais dans la vérité? Can women honor their own? Est-ce que les femmes peuvent honorer les leurs? If a sister sing more than me, so what? Et si une sœur chante mieux que moi, et après? Are you able to say it with no pretense that this one na better than me? Je dois être capable, sans faire semblant, de dire que celle-là est mieux que moi. Not to compete with her. Ce n'est pas pour faire une compétition avec elle. To complement and to complete one another. Mais c'est pour se complémenter et se compléter les uns les autres ou les unes les autres. If women decide that we will honor, we will respect, we will do the will of God, every man will arrange himself. Si les femmes vont prendre la décision de dire nous on va honorer, on va respecter et faire la volonté de Dieu, tous les hommes là vont s'aligner. Some of you, the reason why your husband have sinned is because you support him in the sin. Like your husband would have repented long time. Certains d'entre vous, la raison pour laquelle vos maris ont péché, c'est parce que vous les avez soutenus dans le péché. Sinon, ils se seraient repentis depuis. Yes. Oui. I pray that may the Lord begin to put fire upon those women. Je prie que le Seigneur commence à mettre le feu sur ces femmes. That enough to sleep. Que c'est assez, ça n'est assez that de dormir. I will stand to be counted. Que Seigneur, je vais me tenir afin d'être aussi mentionné. God, thank you for the Deborahs. Seigneur, merci pour les Deborahs. Thank you for the Esthers. Merci pour les Esther. But in this generation, dans cette génération, there's a Selena. Il y a une Selena. There's a Betty. There's a Lucy. There's a. Il y a une Betty, il y a une Lucy. You know, even this one I'm mentioning them. If I don't call some of them, I don't go. Somebody go feedback. Women, allow us to be we. Ah. Même dans les noms, je suis en train de dire, certains quand il n'y a pas dit les noms, ils vont s'effacer. S'il vous plaît, les femmes, permettez-nous d'être. If I call Pauline, I don't call Selena. So are you there? Si il appelle Pauline, il n'y a pas dit Selena. Et puis après. Because maman, the prayer you pray for some people. Maman, la prière que tu as fait pour certaines. Others can say you are selective. Les gens peuvent dire que tu es sélective. Since we didn't marry any pastor. Depuis nous, on n'a pas marié des pasteurs, on nous a pas appelé. No, no, it's true. Mais c'est vrai. You'll be shocked. Tu seras choqué, maman. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. Women, les femmes. Women, les femmes. Women, les femmes. I think one day I'll come and say the topic of my message is women. Je crois qu'un jour quand j'ai venu, j'ai dit le thème de mon message aujourd'hui c'est les femmes. Women, les femmes. C'est pas la peine. But God is counting on you. Mais Dieu compte sur vous. Revival is incubated in you. Le réveil vous a été donné. Ça veut dire que vous portez ça comme une grossesse, comme une couveuse. Tiens-le et amène-nous dans le réveil. Yesterday, Anne was saying something. Hier, la sœur Anne disait quelque chose. She came here, say, elle est venue ici, elle dit. C'est pastor, when you were talking. Elle dit, pasteur, quand tu parlais, I hear in me. J'ai entendu en moi. When are we women going to come out of this till we start doing the things you are saying? Quand est-ce que nous les femmes on va sortir de ceci, cela, cela et faire les choses dont tu parles? My radio. Moi je suis prêt. Some of you who follow us to Agbajanake. Certains d'entre vous, les femmes qui nous ont suivis jusqu'à Agbajanade ou Agbajanade. Friday. Le vendredi. Ask Pastor Harry. Demandez à Pasteur Harry. When we close. Quand on a Harry terminé. Came to me and said, Pastor, Pasteur Harry est venu vers moi et dit, pasteur, we have underestimated you. On t'a sous-estimé. Maybe you should say in tui. Or see. Peut-être qu'on doit dire ça en tui pour que d'autres comprennent. Il y a bon. Il y a bon ou enimtia. I said it well. Il y a bon ou enimtia. The
the physical presence of God and the atmosphere. La présence physique de Dieu et l'atmosphère. Camera can't take it. La caméra pouvait pas prendre ça. C'est pas possible. Normally, women roll on the floor. Jonas clothed them. Normalement là, c'est les femmes on voit en train de rouler à terre. Mais Jonas, Claude, vous allez voir dans la poussière. People were shouting, men are shouting, I will do it. Les hommes commencent à crier, je vais le faire, je vais faire. You know Spring Road, the way they do it. Vous connaissez comment on fait les nems là, non? Les hommes sont devenus comme on roule là pour faire nems là, comme ça. Vous connaissez, non? On roule ça comme ça. Pasteur Paco, he went to coma. Pasteur Paco, lui, il est rentré en coma. Non, it's not a joke. Écoutez, c'était pas it's de not la the work of a man. Ce n'était pas aussi l'œuvre d'un homme. God is ready. Dieu est prêt. Women, it's your time. Les femmes, c'est votre temps. It's your time. C'est votre temps. Next time they are not looking from you among the gossip. Never again. On ne va pas te compter parmi les rapporteuses plus jamais encore. You have a destiny you must fulfill. Tu as une destinée que tu dois accomplir. I heard the story of a singer who was on the platform. J'ai entendu l'histoire d'une chante qui était sur l'estrade. Sing and sort of falling. Were shouting, ah, you fall. Elle chantait et elle marchait. Elle a dépassé le podium. Les gens disent tu vas tomber. Mais elle a marché dans les airs. And come back. Et elle est revenue sur le podium. And the people were there were shocked. Et ceux qui étaient là étaient choqués, étonnés. May God use you more than that. Que Dieu vous utilise plus que cela. May God use you more than that woman. Que Dieu vous utilise plus que cela. May God use you more than that woman. Que Dieu vous utilise plus receive que cette femme. Reçois cette grâce au nom receive de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Some of you hear me. Certains d'entre vous, écoutez-moi. If you have to plaster your mouth to see God, do it. Si vous faut mettre du plâtre sur votre lèvre pour pouvoir voir Dieu, faites-le. Hein? Oui? God is ready for you. Dieu est prêt pour vous. This is your time. I don't know how many times I can say. Voici votre temps et je ne sais même pas combien de fois je l'ai déjà dit. Marriage cannot steal you. Le marié ne peut pas te voler. Women, les femmes, especially some of you are not married. Particulièrement vous qui n'êtes pas mariés, do show the devil pepe. Hey, montrez couleur au diable comme on le dit. Piment dans yeux. May that grace come upon you. Que cette grâce vienne sur vous. May that grace come upon you. Que cette grâce vienne sur vous. Some of you want the prophetic, receive it in Jesus. Certains d'entre vous qui veulent le prophétique, recevez-le au nom de Jésus. Some of you need the healing power, receive it in Jesus. Celles qui ont besoin de la puissance de guérison, recevez-la au nom de Jésus. The power give, receive it in Jesus. Ceux qui ont besoin de la puissance vous donner, recevez-la au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. The yoke breaking anointing, let it come upon you. Le jour qui brise, l'onction qui brise, le jour que ça vienne sur Some vous. Of you to stand 4 hours in prayer, receive that grace. Certains d'entre vous pour tenir 4 heures dans la prière, recevez la grâce. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer? You are praying. Tu pries. To the extent that even your husband. À jusqu'au point où même ton mari. Instead of telling you that he heats the soup for me. Au lieu de te dire va chauffer la sauce pour moi. C'est Il dit, I rather live in prayer to heat my own soup. Je vais la laisser prier. J'allais chauffer ma propre sauce. Because your husband know how that prayer work for you. Parce que ton mari alors saura comment la prière la marche pour lui. Please, women. S'il vous plaît, les femmes. But you cannot do it without honoring one another. Vous ne pouvez pas le faire, mais vous ne pouvez pas le faire sans vous honorer les unes les autres. In petit issues. Dans les petites choses là. There is a power we have seen in Agbajanake on that forest. Puissance qu'on a vu à Agbajanake à la forêt là-bas. And I know the word of God. Whoever see God, you surely see him. Je sais la parole de Dieu et quiconque cherchait Dieu, tu vas forcément le voir. Voici notre temps. God is ready for you, women. Dieu est prêt pour vous, les femmes. And some of you are giving testimony already. Tandis que certains d'entre vous donnent les témoignages déjà. Carry this atmosphere to your house.
portez cette atmosphère à la maison. Jeûnez là-dessus. Create a prayer time. Prends un temps de prière. And melt these things you receive. Et fonds-toi dans ce que tu as reçu. Because God wants to walk on earth by descending into us. Parce que Dieu veut marcher sur la terre, mais en descendant en nous. There's a mindset you must carry. Il y a une pensée qu'il faut avoir. The God that creates the man is the same God that created the women. Le Dieu qui a créé les hommes, c'est le même Dieu aussi qui a créé les femmes. I wish all the men well. Je souhaite le meilleur à tous les hommes. Some of you, you have a hidden treasure in your wife. Help us to dig it out. And when we are digging, it will not be easy. Allow us to dig your wife. Dig them. Certains d'entre vous, vous avez des trésors cachés dans vos épouses. Permettez-nous de creuser et faire sortir. Quand on creuse, c'est pas facile. Laissez-nous creuser et faire ça sortir le trésor. We went to Togo and we give microphone to Manuela. On allait au Togo, on a donné le micro à Emmanuela. There's one prophet. Il y a un prophète. When he sing, he's preaching. Quand lui chante, il prêche. If he's the one preaching, he has composed about 5 songs already. Si c'est lui qui prêche, il a déjà fait 5 chansons. No, not somebody's song, composing while preaching. C'est pas les chansons de quelqu'un. Lui, mais il a arrêté là, puis il chante. And he had the voice for it. Et il a aussi la voix pour ça. But when he heard Manuela, mais quand il a écouté Emmanuela, he said, il dit, who is that girl? Qui est cette fille? While she was singing, there are 2 angels following. Au moment où elle chantait, il y avait 2 anges qui la suivaient. Not somebody who doesn't sing. Ce n'est pas quelqu'un qui voit pas. Oh. And I asked the husband, qui ne chante pas. Et j'ai donc demandé à l'époux, look at what you were doing with your wife. Regarde ce que tu faisais avec ton épouse. They have some soup in Côte d'Ivoire, they call it banwen. Everybody say banwen. La sauce banwen, parce que Isaac lui aime ça. So the only thing these 2 angels worshipper does is cooking banwen. La seule chose que ces 2 anges d'adoration font, c'est de préparer le feuille de manioc. When he's angry, they cook that soup. He will start laughing. Quand il est fâché, on fait la sauce là. Et souris. But when quand il release the wife, mais quand il a libéré son épouse, there was a change and there was a divine stamp on the ministry of God. Il y a eu une transformation, un changement, un tampon divin sur le ministère de l'épouse. I remember when Abidjan in the church. Je me rappelle, on était à Abidjan dans l'église. And Manuela said, Pastor. Manuela dit, Pasteur. I feel useless. Je me sens inutile. Are you still feeling useless? Est-ce que tu te sens encore inutile? Are you? Est-ce que tu te sens inutile? And so powerful. Do you know what God did on the mountain? Ouais, puissamment, vous savez ce que Dieu a fait sur la montagne? God told them. Dieu leur a dit à elle et à son époux that they will go and open oasis of God branch in Benin. Non, qu'elle fait oasis de Dieu au Bénin. Not me who said God told them. Ce n'est pas moi qui leur ai dit, mais Dieu le leur a dit. So they told themselves. Alors ils se sont dit entre eux. After we finish all the mission, quand on va finir toutes les missions là, they are going back, on retourne, sell their properties, vont aller vendre tout ce qu'ils ont, and they will hit Benin. They have never been to Benin. Et ils vont entrer au Bénin, ils n'ont jamais vu le Bénin. While they stood in the forest telling us that, pendant qu'ils se sont levés dans la forêt nous le disant, there's a brother who was there. Il y a un frère aussi qui était là-bas. C'est Pastor Philip. Il dit, Pasteur Philippe, I've been praying for this thing, not now. Il y a longtemps j'ai prié pour ça. That God send oasis of God in Benin. Que Dieu envoie oasis de Dieu au Bénin. And the brother said, et le frère a dit, my prayer has been answered. Ma prière a été exaucée. 2. Deux. He said he know a woman. Il dit, je connais une femme who has promised to release a land of, qui a promis nous donner un terrain. God has made the provision. Dieu a fait la donner la provision. But they were away. Mais how Isaac wanted to honor me. Comment Isaac voulait m'honorer? He actually came to leave the wife with me. Il est venu pour déposer sa femme, la laisser avec moi. He said, Father, il dit, Père, I'm coming to leave my wife. Je viens laisser ma femme ici.
take her. Prends-la. Go and do mission. Va faire les missions. So when he came, et quand il est venu, Pastor Pagokura was sacking him. Pasteur Pagokura même le chassait, retourne à Abidjan. Because we know how Isa does not want to leave this woman. Parce qu'on sait comment Isa veut pas relâcher sa femme. He know how to repair the fridge. Il sait comment réparer le réfrigérateur. Even when we are fasting. Même quand on est en train de jeûner. So those who know know. Ceux qui savent savent. But he came. Mais il est venu. But he doesn't know that God was waiting for him in 12 days of fasting. Il ne savait pas que Dieu l'attendait dans 12 jours de jeûne. Even that one, he and the wife in the 12th day, they have to say they are doing dry in the 12th day. Et même lui et sa femme, ils ont sont mis d'accord de faire le jeûne sec dans les 12 jours. I saw him how he was weak. Je l'ai vu comment il était faible. Quand les gens mangeaient. But God spoke. Mais Dieu a parlé. When he decided to honor God with the wife. Quand il a décidé d'honorer Dieu avec son épouse. God said, I don't only need your wife. Dieu a dit, je n'ai pas seulement que besoin de ton épouse. I'm sending you. Je vous envoie. I'm sending you. Je vous envoie. I'm sending you. Je vous envoie. Now when he received. Et maintenant quand ils ont reçu. The message. Le message. He didn't come to me first. Ils sont pas venus vers moi d'abord. In the prayer. Dans la prière. He called the wife. Il a appelé sa femme. My dear. Ma chère, this is what I hear right now. Voici ce que je viens d'entendre. That we have to go to Benin. Qu'on doit aller au Bénin. Isaac was shocked. Isaac était choqué. The wife said, no problem, let's go. La femme a dit, il n'y a pas de problème. He asked the wife, il lui a demandé. You say, no problem. Tu dis, il n'y a pas de souci. He was thinking the wife would be a blockade. Il a pensé que sa femme allait être un obstacle. We will go to Benin. On va aller au Bénin. People of God, women. Peuple de Dieu, les femmes. Manuela would have aborted and said, my husband, what are you saying? Manuela aurait dû avoter la chose et dire, mon mari, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ben, say, let's go. Elle a dit, allons-y. I'm ready for. Je suis prête pour l'œuvre. We don't want to pack people in church and have a king. Call a man of God in church. That's not Oasis of God. On ne veut pas Nous rassembler spread. Les gens dans l'église et avoir un roi appeler un homme de Dieu. C'est pas ça Oasis de Dieu. On va se répandre. Mais on a establish. Que l'honneur vous établisse. Mais on a open the door. Que l'honneur vous ouvre les portes. Mais on a give you a turn around. Que l'honneur vous donne une transformation. Mais on a bring you that healing. Que l'honneur vous apporte cette guérison. Time will not allow me to add too much to what Mama have said. Le temps ne va pas me permettre d'ajouter plus à ce que Mama a dit. But I've seen honor working for me. Mais j'ai vu l'honneur travailler en ma faveur. Don't I see it? Oui, je l'ai vu. There are anointing I want to have. I know how to honor it. Il y a des onctions que je veux avoir. Je sais comment honorer pour avoir. There are grace. Il y a des grâces. We convert through honor. Qu'on convertit en honorant ou qu'on convertit par l'honneur. When you do it, heaven break loose on you for. Quand tu le fais comme ça, le ciel s'ouvre et libère sur toi. Amen. Amen. As your father in the Lord. En tant que votre père dans la foi ou dans le anything Seigneur. Anything that operates around me as a man of God. Tout ce qui travaille qui opère Père autour de moi en tant qu'homme de Dieu. I declare as we do a rechargeable card that as you honor it, let it be double plenty on you. Je déclare comme une carte rechargeable, tandis que tu honores, que Dieu le double pleinement sur vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray that whenever you stand in God, heaven will answer you. Je prie que où que tu te tiennes pour Dieu, que le ciel te réponde. I pray that whenever you worship, let the angels of God be part of it. Je prie que où que tu adores, que les anges en fassent partie. Whatever you are working, may the covenant of God speak for you there. Où que tu travailles, que l'alliance de Dieu parle pour toi là-bas. Anything that you have done so far to honor God through us as men and women of God, may the Lord remember you. Tout ce que vous avez fait pour honorer Dieu au travers de nous en tant que hommes et femmes, que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Alléluia. I pray this anointing over you. Je répands cette onction sur vous. And some of you are wives. Certains d'entre vous qui êtes les épouses. You cannot honor God.
Vous ne pouvez pas honorer Dieu. Honor your pastors. Honorer vos pasteurs. And not honor your own husband. Et ne pas honorer vos propres maris. Non. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Did you hear? Est-ce que their vous honor will not be the same, but you cannot honor God and say you are not honor your pastor. L'honneur peut ne pas être le même, oui, mais tu ne peux pas dire que tu honores Dieu et ne pas honorer ton mari. And you cannot say you honor pastor, you don't honor your wife. Et tu ne peux pas aussi dire que tu honores le pasteur et tu ne peux pas honorer ton époux, ton épouse. How can a wife honor the husband? Comment est-ce qu'une femme honore ce mari? I will not say that one here. Je ne vais pas le dire ici. But I wish after you finish, I will meet the women. Mais je souhaite que quand on va finir, je vais rencontrer les femmes. There are some keys if you have it. Il y a des clés quand vous les avez. No woman will be beautiful to your husband. Aucune femme ne sera belle pour ton mari à part toi seul. They will not say amen because they don't care. Ils vont pas dire amen parce que c'est pas. You think because of holiness you want to go to heaven? He can't be tempted. Tu penses qu'à cause de sainteté, tu vas le ciel, va pas être tenté, d'accord? Some of you women, I see your problem. Certains d'entre vous femmes, j'ai vu votre problème. He not go film doing because he go going to hell. Some husband, if I not the preach, they are ready to go to hell. Il va pas faire parce qu'il va aller, il va aller en enfer. Si je prêche pas, il y a des hommes là, ils sont prêts pour aller là-bas. Because they have the mind that I go tell someone, I say, hey, my baby, my. Parce qu'ils ont la pensée pour dire, j'allais goûter un peu. Pierre venait dire, ah les frères, je suis encore tombé. Some of you are missing it because you think that okay, the husband is a heaven going husband. Certains d'entre vous vous ratez la chose parce que pour vous le mari est un mari qui a la pensée sur le ciel. He not go feel leave me. Il ne va pas me quitter. God hate divorce. Dieu est le divorce. It's true, God hate divorce. C'est vrai que Dieu est le divorce. But there's something called separation. Mais il y a quelque chose appelé la séparation. He can decide not to marry to be a Roman Catholic father because of you. Il peut décider de ne pas se marier, d'être un prêtre catholique à cause de toi. Voyez-vous? Women. Les femmes. It's possible that you have grace more than us. C'est possible que vous ayez la grâce plus que nous. But the way you handle yourself, mais de la façon dont vous gérez vous, will help us va nous aider to humble ourselves, à nous humilier. She's a woman. Va dire elle est une femme. She get power. Mais elle a la puissance. But when you are like a crab or a caterpillar, mais quand vous êtes comme des crabes là et des scorpions, je sais pas comment appeler. Everything you do, toujours. They say no. Quand tu vas essayer, dire non. This is Jezebel. Ça là, c'est Jezabel. Elle est déguisée en elle. The strength of a woman. La force, les forces d'une femme. Is in her humility. Se trouve dans son humilité. Whether married or unmarried. Qu'elle soit mariée ou pas. Know how you speak. Sache comment tu me. Know how you talk. Sache comment tu parles. Women. Les femmes. The symbol of rudeness is a woman. Le symbole de l'arrogance est la femme. They are the most weak people, but they are very rude. Elles sont les plus faibles, mais elles sont arrogantes. But please, mais s'il the vous plaît, end time women will not be like that. Mais les femmes de l'enfer des temps ne seront pas comme ça. Speak fire against the devil and love your husband, love your brothers. Pas déclare le feu contre le diable et aime ton mari et aime les frères. Amen. Amen. And humble yourself. Et humilie-toi. God bless us. Que Dieu nous bénisse. Tomorrow by God's grace. Demain par la grâce de Dieu. We'll be having Mama Kafui. On aura Mama Kafui. We have some delegation from Togo. On aura une délégation venant du Togo. We have Daga Yawavi for worship. On aura aussi la sœur Daga Yawavi pour l'adoration demain. Amen. Amen. She's anointed in that. Elle est ointe dans sa adorée là. Adoration. She sing worship and people's fibroid drop. Elle chante dans elle fait l'adoration et les fibromes des femmes tombent. Last time one pastor was saying it. La dernière fois il y a un pasteur qui disait. So gift like that you can honor him. Honor is to. Voyez. Just,
les dons, comme ça, c'est de les honorer. Et l'honneur là, c'est quoi? C'est de se disposer, de s'ouvrir. Yes. Oui. I say one day, I nearly tell Pastor Evan to lay hands on me. Do you know je what? Vous dis, un jour, j'ai failli dire à Pastor Evan. I tried to quote the scriptures. De m'imposer les mains. I can't. J'ai essayé de mentionner les versets bibliques. If I tell him to lay hands on me, he go die. Parce que, mais si je lui dis, si je le laisse m'imposer les mains là, il va mourir. Yes. Oui. Because you take it for granted. Parce qu'il va prendre ça pour. I'm ready reading the thing, but you are reading the thing. Ubasa, but he is not reading it. So, Pastor Enyasa. Toi, tu as ouvert la Bible, tu es en train de lire là. Lui n'est pas à côté. De façon, tu lis, il dit, s'il te plaît, pasteur, c'est pas écrit comme ça, c'est écrit comme ci. There are grace with people. He's sort of jealous in them. Il y a des grâces sur les gens. Le Dieu est jaloux d'eux. Pull it. Vous pouvez les tirer. By honoring it. En les honorant. So you don't come and say, it's not a more content scripture. Tu n'as pas venu dire, ce n'est pas une histoire de citer les versets bibliques. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. It's about power. C'est la puissance. Empty power. La puissance vide. And you came, you are doing like a gold bag. Et tu viens, tu fais comme un bouc maintenant. People of God, I've come in the name of God. People of God, people of God, you're venu au nom de paix. Please. S'il vous plaît. Others say it's not about prophecy. Les autres disent, ce n'est pas une histoire de prophétie. Final story, so that Selena come. La, do you want to hear it? Vous voulez l'écouter? We went to Agbajanaki. On allait à Agbajanaki. There were a group of pastors there. Il y avait des groupes de pasteurs. And they want us to join their service. Ils voudraient qu'on on joigne leur culte. They should ask well. Au lieu de bien demander. Because I know who I am in Christ. Parce que je sais qui je suis en Christ. They were putting some laws. I say for where? Ils mettaient des lois. Je leur dis pour quelle raison? If you need something, you ask me. Si vous voulez quelque chose, vous me demandez. With all due respect. Avec tout le respect qui va avec. We are talking the off light on us. On parlait, ils ont coupé la lumière sur nous, l'électricité. Coucou vive Philippe. Coucou vive Philippe. I see the pastor. J'ai vu le pasteur. An old man. Un vieil. I said daddy. J'ai dit papa. Why do you off the light? Pourquoi tu as coupé le courant? A holy pastor was lying. When he finished, we were walking. I said, ah, we cannot be lying, no. We are going to hell, oh. I'm not mentioning his name, but I know you are in line. Dieu, on peut pas mentir. C'est ok. On va au ciel. He is preaching, so he's an old man. He want me to come and lead those prayers. I'm leading them because they were afraid the camp people would join us. Il dit non, comme moi, ici, une personne âgée, je prêche, donc viens diriger les prières comme tu fais là. Pourquoi? And parce qu'ils avaient peur que les gens les quittent pour venir suivre. They want to put water into them. Voyez les prophéties, mais ils veulent diluer ça. We are just leading prayer. Nous, on dirigeait la prière. And I saw a sister. J'ai vu une sœur. I said I saw the sister dressed like would you say like people who serve altars. J'ai vu la sœur qui est habillée comme une on va dire une prêtresse. The sister I've never seen her in life before. La sœur je ne l'ai jamais rencontrée dans la vie. That's the first time. C'était la première fois. She's very light colored. Elle est de teint clair. Normally light colored people, the far you can go, so she have. Marine spirit. Normalement, les femmes claires là, si tu veux aller loin et puis tu es aveugle là, c'est pour dire ils ont esprit des yeux. Why I said that? Let's pray. Quand j'ai dit la chose, j'ai dit prions. She's not dancing like a voodoo. Elle a commencé maintenant à faire maintenant les danses. I say ministry just start here. J'ai dit le ministère là a commencé. The pastor said. Le pasteur a dit. He came to my ear. Il est venu dans mon oreille. They should carry the lady at the back. Non, quand on voit la femme derrière. I say back. Il dit derrière. You don't believe in prophecy. Vous ne croyez pas dans les prophéties. Way by God's grace, I say way it happened. Nous par la grâce de Dieu, j'ai dit et la chose s'est réalisée. This vaudou si dans, you go dance, everybody go know say Mimi prophesy. Ce vaudou là, va danser là, quand tout le monde savoir c'est moi qui ai prophétisé ça. I was there doing the thing, she was dancing, laughing at them. Elle faisait les choses, dansait, se moquait de. She start speaking the things. Elle a commencé maintenant à dire des choses. So what I was saying, donc ce que je disais, they were thinking that it's not possible. Ce n'est pas possible. It happened. La chose s'est passée. Hear me, people of God. Écoutez-moi, peuple de Dieu. There is a certain anointing. Il y a une certaine onction. If the atmosphere is not conducive, it cannot bless you. Si l'atmosphère n'est pas conductive, ça ne peut pas te bénir. Have you asked yourself why Isaac said, "Give me what I want"? Before I bless you.
Vous êtes-vous une fois demandé pourquoi Isaac a dit « Donne-moi ce que je veux avant que je ne te bénisse. » And God respect it. Et Dieu respecte cela. Mm-hmm. D'accord. When we baptize you, do you believe it? Quand on vous baptise là, vous croyez? We bless your marriage. Do you believe it? On bénit vos mariages, vous y croyez? We dedicate your children. Do you believe it? On prie pour vos enfants, vous le croyez? It doesn't stop there. There are other spiritual gifts that you can receive. Ça ne s'allume pas là. Il y a encore d'autres dons spirituels que vous pouvez recevoir. Amen. Amen. There's somebody you are here. Il y a quelqu'un qui est ici. You are not just a woman of God. Tu n'es pas seulement qu'une servante de Dieu. You are supposed to marry a president. Tu es supposé marier un président. Oh, they are just there. Hey, me, how come? Prophétie vient comme ça, allemand. Le coin devait être en ébullition. You think that if you are Rebecca Akufo-Addo, I will be here? Pensez que si vous étiez l'une de ses premières dames, je serais ici. Je vais toujours faire dévotion matinale dans ta maison. Toi-même, tu vas rendre témoignage. I say, my daughter, you know. Je dis, ma fille, tu vois. There's 72 days of morning devotion. Il y a 72 jours de dévotion matinale. And this operation, et cette opération là, you have to sow a lot of seed. Il faut semer plus beaucoup de semences. While you sow the seed, you sow it in pounds, euros and dollars. Et quand tu sèmes en pounds, en euros et en euros et puis en dollars. Some of you, if you get that opportunity, the gospel will spread. Certains d'entre vous, si vous avez eu cette opportunité, l'évangile va se répandre. Before you clap. Avant que tu the ex-president of la Côte d'Ivoire, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, boldly say he's a charismatic. Il a courageusement dit qu'il est charismatique. Normally, the president will tell you they are Catholics. Normalement, les présidents vont vous dire qu'ils sont catholiques. And the wife, et l'épouse, we heard of pastors that he give them money to organize programs. On a entendu qu'elle a donné de l'argent à des pasteurs pour organiser des programmes priés. While we are talking now. Au moment où on est en train de parler, you have some attitude that the government has been releasing money for clergymen. I mean, money. Vous les pasteurs, vous connaissez ça? Et le pays, la Côte d'Ivoire, a une attitude où le gouvernement libère de l'argent pour le clergé, les hommes de Dieu. But how they use it? Mais comment ils l'ont utilisé? You are the Esther that will be around them. Tu es l'Esther qui doit être aux environs. Do you understand the thing? Est-ce que vous comprenez la chose? Some of you is your singing. Your singing will lead you before them, and the man, the minister, the ambassador, the president will ask you, what should I do to be saved? Certains d'entre vous, c'est vos chants qui vont vous emmener devant eux, et les présidents, les ambassadeurs, le roi vont vous demander, que veux-tu que je fasse? I pray that God usher you into that. Je prie que le Seigneur vous conduise à cela. Your amen is not like the end time woman. Ton amen n'est pas un amen de femme de fin de temps. End time woman. They forget. God's women. God's women. It's three times now. God's women. God's women. No, tu as dit une fois, dis trois fois. Is it a song? God's women. Hallelujah. Don't become Aladura people. Let's have Selena. What do we say to our pastor? God bless you so much. Dis à nos pasteurs que Dieu te bénisse. You are truly a man of God. Tu es véritablement un homme de Dieu. And we can only love him. On ne peut que t'aimer. God bless you so much and more grace to do more for him. Plus de grâce encore pour plus and faire. And we also thank God for the life of our mother. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre maman. With the wonderful word that she came to give us. Avec la merveilleuse parole qu'elle est venue nous délivrer. God bless her so much. Que Dieu la bénisse puissamment. And increase her as well. Et que le Seigneur la croisse encore plus. And we pray that as we have heard
all these words. Et je prie que tandis que nous avons entendu toutes ces paroles, may we not go and live the old life again. N'allons pas retourner à notre ancienne habitude. But we pray that the Lord will help us so that we live according to how he wants us to live. Et je prie que le Seigneur nous conduise à ce que nous vivons comme il veut que nous le fassions. So the conclusion of the whole matter is, de sorte que la conclusion de toute chose soit, the conclusion of the whole matter is, la conclusion de toute chose est, honoring is a living. Honorer est un mode de vie. It's not an event. Ce n'est pas un fait. So God bless us all for coming. Que Dieu nous bénisse tous d'être venus. And by God's grace, God willing, tomorrow, par la grâce de Dieu, demain, after the program, après le programme, we will be meeting Apostle Kingsley for rehearsal, all the women. Nous allons rencontrer l'apôtre Kingsley pour une répétition, toutes les femmes. So don't be in a haste to go home. Donc ne vous empressez pas pour aller à la maison. So as we have closed, tandis que nous sommes à la fin, we sealed every blessing we have received here. Nous scellons toutes les bénédictions que nous avons reçues ici. And every wisdom, et toute sagesse, with the blood of Jesus Christ, avec le sang de Jésus-Christ. And we pray that God willing tomorrow will be even more than what we have received today. Et nous prions que demain soit plus que ce que nous avons reçu aujourd'hui. So that we give glory to him. Amen. De sorte qu'on lui donne la gloire. Amen. So kindly be on your feet as we share the grace.